What's up les guys, donc c'est Bac Tutoriel sur une nouvelle vidéo. Oui, c'est vrai que ça fait un big moment qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas entendu. Bon là, il faut juste comprendre, c'était juste une question de temps et tout. Mais l'essentiel, c'est que je suis là de retour devant vous, de retour avec du lourd, avec de nouvelles surprises, en commençant par cette vidéo aujourd'hui qu'on va faire. Aujourd'hui, on va coder donc un jeu de dames intégral, c'est-à-dire que là, on va coder intégralement un jeu de dames. On va prendre tout notre temps, donc peut-être, peu importe, ça va prendre une heure ou deux heures de temps, mais l'essentiel, c'est qu'on va coder intégralement, ça sera un jeu de dames genre avancé. Bah oui, c'est vrai que je faisais certaines vidéos qui parlaient des jeux de dames, donc ces vidéos-là, vous pouvez juste les considérer comme l'introduction aux dames parce que c'était juste un affichage, et donc... l'affichage du damé et l'affichage des pions. Ah, donc j'espère que vous êtes chaud et que cette vidéo-là, franchement, vous intéresse trop. Donc si c'est le cas, on va vraiment commencer tout à l'heure. Mais juste avant, vous connaissez la chanson, les gars. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps, abonnez-vous et aussi activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ah, donc on va essayer de commencer, les gars. Donc ça prend, je vais d'abord vous montrer l'interface de notre damé, vous montrer les différentes interactions et les différentes règles qu'on doit respecter. Et ensuite, on va commencer vraiment à coder, les gars. Allons-y. Oui, les gars, donc on est là pour le début de cette vidéo. Comme promis, donc on avait dit qu'on va d'abord découvrir l'interface qu'on va utiliser. Et ensuite, donc, commencer à coder. Donc, si on exécute après avoir vu l'application, donc l'interface se présente comme ça. On a donc à cliquer sur le bouton commencer. Boum. Et voilà, donc il y a l'escort qui est juste en bas et il y a le damier qui est affiché. Donc, c'est un dame de 12. Voilà, donc on peut voir que les scores pour le vert c'est 0 et pour le jaune aussi c'est 0. Maintenant, on va commencer, on peut faire des petits tests pour voir, voilà, si le jaune joue ici, c'est au tour du vert de jouer. Voilà, le vert a un point. Le jaune aussi peut jouer et avoir un point ici. Il y a autre chose qu'on doit gérer, en tout cas au côté des règles, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient de jouer, il ne peut pas encore jouer tant que l'autre ne l'a pas encore fait. Par exemple, le jaune vient de jouer. Donc, son tour n'est plus permis à cet instant. Donc, même si on clique, il ne peut pas bouger. Il faut d'abord que le vert rejoue pour que donc, le jaune puisse avoir la possibilité de jouer. Voilà. De l'autre côté aussi, on peut voir qu'on a géré pas mal, des règles aussi. Par exemple, ce jaune-là, il ne peut pas directement aller au niveau de ce pion-là ou bien aller au niveau se superposer dans un autre pion. C'est impossible. Voilà, tout ça, donc c'est des trucs à gérer au niveau des pions et des cages des damiers. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud et qu'on va bientôt aussi découvrir d'autres règles dans le jeu. C'est-à-dire que c'est en codant qu'on va se rendre compte des règles à ajouter au niveau du jeu. Je crois que vous êtes chaud en tout cas et que vous êtes prêt en tout cas à aller avec moi. Si c'est le cas, on va juste fermer ici et donc on va aller créer un nouveau fichier. Bon, je signale qu'on va toujours utiliser la librairie Python qui s'appelle Tekinter pour créer donc ce jeu de dames-là. Voilà, donc on va aller sur New File. Donc, je suis sur Sublime Text, l'éditeur de texte qui est sans doute la meilleure aujourd'hui. On va mettre un CTRL-S pour enregistrer notre fichier. Et donc, notre fichier, on va l'appeler jeu-tito. Jeu-tito.py. Voilà. Excusez-moi. Pays. J'enregistre. Et voilà, donc on peut y aller. Ce qu'on va commencer à faire, c'est créer d'abord l'interface, comme d'habitude. Ce qu'on commence toujours par nos vidéos, c'est créer l'interface d'abord et ensuite commencer à créer les autres fonctions d'interactivité et tout. Voilà, donc pour créer l'interface Tekinter, vous le savez tous, les gars, il faut toujours commencer par importer, en tout cas, la librairie Tekinter. Donc, c'est avec la commande from Tekinter. Excusez-moi, from Tekinter import étoile. Voilà, Tekinter importé. On va commencer maintenant à créer une fenêtre. Donc, pour la fenêtre, vous savez encore, c'est fun est égal à TK avec un grand T. Ensuite, on va aller à la ligne. Donc, donner le titre de la fenêtre. Donc, fun.title. Mettre les parenthèses, ensuite mettre des codes et donc dire que le titre, par exemple, c'est jeu de dame. Voilà. Ensuite, on va donner la géométrie de la fenêtre, c'est-à-dire limiter la fenêtre, donc donner le format de la fenêtre et tout ça. On va mettre fun.géométrie. Voilà, géométrie. Mettre les parenthèses, ensuite mettre les codes.
Et donc, donner la géométrie. Pour moi, donc la géométrie que j'ai choisie, c'est 260. Donc, 260 fois 245. 245. Vous pouvez aussi choisir votre géométrie. Ça sera votre jeu. Et donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, donc ensuite, on va mettre le plus et donner à l'endroit exact où on veut mettre la fenêtre par rapport à l'écran de notre machine. Et donc, pour cet endroit-là, on va donner le 450. 450 plus. Oh, excusez-moi, j'écris n'importe quoi, c'est mon clavier. Voilà, donc c'est plus 450. Et donc, plus 250. Voilà. Là, on est bon. On va donner donc le fun.configure et ensuite changer la couleur de fond de la fenêtre. Pour la couleur de fond, je crois qu'on peut donner. Bon, là, en position un peu bête, j'ai pas fermé donc les double codes. Voilà, donc ici, on va donner. On va utiliser le configure pour pouvoir changer la couleur de fond de la fenêtre. Donc, pour la couleur de fond, on va dire que c'est white. Donc, c'est-à-dire que c'est tout blanc. Voilà. White. Voilà, c'est bon pour notre fenêtre. En tout cas, on va créer maintenant un canvas qu'on va appeler Can. Et dans ce canvas-là, on peut dire que ce canvas-là va être le canvas global du jeu. C'est-à-dire qu'il va regrouper ou bien qu'il va recevoir tous les éléments, en tout cas, du jeu. On va mettre des parenthèses ici et dire que le canvas se trouve dans la fenêtre d'abord, mettre virgule et ensuite donner un width. Width, donc c'est la largeur, vous connaissez tous, qui est égale à 206. Excusez-moi, bon, je vais utiliser le pavé numérique. Donc, un width qui est égal à 206. Hop, excusez-moi, je vais activer mon pavé numérique. Voilà, un width qui est égal à 206. On va mettre virgule et donner un height. Height, donc, qui lui sera égal à 206 aussi, même chose. Donc, c'est comme si c'est un carré, on peut dire. Voilà. Et donc, on va donner ensuite un BG qui, lui, à son tour, sera égal à pink. C'est une couleur, donc en anglais, pink. C'est bon pour notre canvas, je crois bien. Maintenant, ici, on va venir créer un fond. Donc, le fond, on va dire que c'est égal à. Donc, on va dire c'est égal à Arial. Arial, donc, c'est un type d'écriture. 13, c'est le fond de l'écriture en quelque sorte. Voilà, c'est le fond, c'est-à-dire le fond size. Et enfin, on va dire bold pour dire que l'écriture sera donc gras, pour être plus clair. Voilà. Maintenant, on va créer un bouton, c'est-à-dire le bouton commencer qui est là-bas. Donc, on va dire bouton dame, c'est-à-dire c'est le bouton en quelque sorte qui permet d'afficher le damier. On va dire que c'est égal à bouton. Bouton, donc c'est un élément de tech ici qu'on est en train d'utiliser ici. Ensuite, dire que ce bouton-là se trouve dans la fenêtre, mettre virgule et mettre texte est égal, donc donner le texte du bouton, dire que le texte est égal à commencer. Voilà, le texte est commencé et ensuite on doit donner une commande. Je vais mettre virgule. La commande dans un bouton, les gars, vous devez connaître. J'espère que vous connaissez déjà. C'est en tout cas la fonction qui est exécutée après avoir cliqué sur le bouton. Donc, cette fonction-là, on a appelé ça dame, mais on ne l'a pas encore créée. On va la créer juste après. Ne vous en faites même pas. Ensuite, on va mettre virgule et donner un FG. FG, donc, c'est le foreground. C'est le foreground, c'est-à-dire c'est la couleur des écritures. C'est la couleur de l'écriture de ce bouton-là. Et donc, on va dire que c'est white. White. Je ne sais pas où est-ce que j'avais écrit ici un while. Où est-ce que j'avais écrit ici un while? Pareil. Ah, voilà, c'est bon. Il n'y avait pas de problème. Donc, c'est white. Ensuite, on va donner un BG, donc c'est-à-dire la couleur de fond. Pour la couleur de fond, on va dire que c'est égal à dièse F00 AB7. Donc, c'est une couleur que j'ai choisie. Vous aussi, vous pouvez choisir la sienne. Donc, dièse F00 AB7. Oh, excusez-moi, AB7. Ici, c'est F00. Donc, c'est mon clavier qui déconne. F00 AB7.
Voilà, donc on peut copier ce bouton-là pour en profiter et créer notre label score. Cette fois-ci, on va appeler ça score, donc c'est l'escore entre les deux jours. Et là, ce n'est pas un bouton, mais c'est un label. Un label, donc en tkinter, c'est un champ où on peut mettre du texte. Ensuite, on va dire que le texte ici, c'est égal. Voilà, donc là, on va mettre V pour dire que ici, c'est le côté V. Mettre deux points. Mettre 0 et ensuite mettre des espaces, excusez-moi, 0, son score c'est 0, et mettre VS. Après le VS aussi, on va mettre jaune et mettre les deux points ici, et ensuite mettre aussi 0. Voilà, c'est ça le score au début. Ensuite, on va dire qu'ici, par exemple, bon, là on pouvait ajouter le fond qu'on avait créé tout à l'heure ici, donc on va dire ici que fond est égal à fond. Mettre virgule. Là aussi, même chose. Fond est égal au fond qu'on a créé tout à l'heure. Virgule. Voilà, donc pour ici, il n'y a pas de commande. Donc pour les labels, ce n'est pas un bouton, il n'y a pas de commande. On va effacer ici. Maintenant, pour le FG et le BG, ça va rester la même chose. Voilà, c'est bon, je crois. En tout cas, on peut aller un peu en bas et mettre donc un pack sur notre canvas. C'est-à-dire que le canvas a été créé, certes, mais il faut le packer dans la fenêtre. Et pour le paquet, on va utiliser la commande pack de tkinter. Si on pack notre canvas, on va par la suite packer notre bouton aussi, c'est-à-dire pour que le bouton puisse s'afficher. Voilà. Maintenant, pour le escore, on peut ne pas le packer ici parce que l'escore est packé après avoir cliqué sur le bouton. Donc, on ne le pack pas maintenant. Voilà, c'est bon pour en tout cas la fenêtre. Maintenant, ce qui reste, c'est seulement quelques fonctions qui vont nous servir au moment de cliquer sur le pion, au moment de vouloir déplacer le pion. Donc, c'est pourquoi on va utiliser ici la fonction bind, mettre les parenthèses. Et donc, on va recevoir trois événements. Événement clic, événement faire bouger un élément et événement laisser un élément, c'est-à-dire laisser la souris. Ces trois éléments. Et donc pour ces trois éléments-là, on va dire, voilà, pour ces trois éléments-là, donc je vais mettre ça. Donc c'est l'événement button press. Bouton presse, il y a aussi un tiret ici, et donc un. Bouton presse 1, c'est-à-dire que quand on clique sur c'est le clic droit de la souris. On va mettre virgule. Oh, excusez-moi, le virgule c'est en dehors. Et l'associer à une fonction. Pour la fonction, on va dire que ça s'appelle clic. Voilà. Ensuite, on va aller en bas et mettre la même chose presque, mais cette fois-ci en changeant. On va mettre la même chose. Mais cette fois-ci, c'est quand on est en train de bouger. La souris, c'est-à-dire que quand on est en train de bouger un élément, donc on va dire B1, excusez-moi, B1 tiré, donc après le tiré, on va mettre motion, donc voilà, bouton motion, donc là on va l'associer à une fonction qu'on va créer après, et cette fonction-là, ça s'appelle bouger. Ensuite, on va aller en dernièrement, et donc pour le dernier, c'est bouton release, c'est-à-dire quand on laisse le bouton. Ou bien quand on laisse le souris. Et donc, on va dire qu'ici, c'est release. Voilà, bouton release one. Et cette fois-ci, on va dire que c'est associé à une fonction qu'on appelle arrêt. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'une fois que le souris est pointé dans le jeu dedans, on va modifier donc la souris sous forme donc de main, c'est-à-dire qu'on va configurer la souris pour que ça soit sous forme donc de main, c'est-à-dire la main d'une personne par exemple. Voilà, donc on va dire cursor est égal, donc on va dire hand en anglais, donc c'est main. Voilà, donc on va mettre les codes simples ici et mettre hand 2. Voilà, c'est le deuxième curseur en réalité qui est associé donc aux mains. Voilà, donc on va mettre un fun point resizable, donc c'est-à-dire on va désactiver le fait de pouvoir
redimensionner une fenêtre. Donc notre fenêtre, elle ne peut pas être redimensionnée, c'est-à-dire qu'elle sera comme ça. Elle ne peut pas être redimensionnée en quelque sorte. Et donc on va mettre les parenthèses et on va dire false. C'est-à-dire pour le côté width, c'est-à-dire côté largeur, c'est impossible de redimensionner. Et pour le côté hauteur aussi, c'est impossible de redimensionner. C'est bon. Maintenant, ce qui reste toujours, les gars, il ne faut jamais oublier, c'est le fun point main loop qui, en quelque sorte, nous permet d'afficher notre fenêtre. Voilà. Je crois que c'est bon pour, en tout cas, l'ensemble des éléments de la fenêtre et tout. Bon, là, si on veut, on peut mettre des commentaires à partir de là. On peut mettre un commentaire à partir de là. Pourquoi? Parce que ces fonctions-là, clic, bouger et arrêt, on ne les a pas encore créées. Voilà, maintenant, la fonction dame qui permet d'afficher les damiers, on va sans doute la créer. Mais juste avant de la créer, on aura aussi besoin d'autres choses, c'est-à-dire de créer une classe. Une classe qui représente une cage dans un dummy. Et cette classe-là, vous allez voir qu'elle va être le centre de gravité de ce jeu parce qu'elle va nous aider dans plusieurs éléments de ce jeu-là. Donc, on va appeler ça cage, excusez-moi. Voilà, donc dans les paramètres, on va mettre self, virgule. On va donner les coordonnées les coordonnées de cette cage-là, donc on va dire x1, x2, non pas x2, mais y1, par exemple, virgule. Ensuite, on va donner x2, virgule. Et ensuite, on va donner y2, virgule. Ensuite, qu'est-ce qu'on va donner? C'est la couleur de la cage courante, c'est-à-dire la couleur de la cage courante, virgule. Ensuite, on va donner la couleur la couleur du pion qui est dans cette cage-là. Donc, on va dire couleur pion. Et enfin, on va donner une autre variable qui s'appelle pion. Et cette variable-là, c'est une variable booléenne qui, en quelque sorte, permet de tester si il y a un pion dans la cage courante ou pas. Voilà, donc on va essayer de... excusez-moi, si on peut mettre là, tout ce qu'on est en train de faire là, on ne doit pas le faire ici. Je vais mettre un CTRL X. Puisque la cage ne reçoit aucun paramètre, donc on va juste mettre comme ça et mettre deux points. Maintenant, ces variables-là que j'étais en train de donner, on va les mettre ici dans la fonction init, c'est-à-dire dans le constructeur de la classe. Voilà. Pour ce super-là, on peut enlever. On n'en a pas forcément besoin. Et donc là, on va donner, voilà, le self.x1, il va recevoir le x1 en paramètre. On va faire la même chose. Donc, on va copier ici. On va mettre en CTRL V, donc le self, ici on va mettre x et, XD peut-être, et là aussi on va donner XD. On va aller à la ligne, et donc là c'est Y1, Y1, et là aussi c'est Y1. Ensuite on va revenir et mettre cette fois-ci Y2, donc Y2, et là aussi ça va être Y2. Excusez-moi, Y2. Enfin, ce qu'on a besoin, c'est la couleur de la cage. Donc, on va dire que self.couleur cage est égal à couleur cage. C'est-à-dire la couleur de la cage. On va donner aussi self.couleur pion. Voilà, cette fois-ci, c'est la couleur de la pion. Et donc, dire que c'est donc couleur pion. Et enfin, on va prendre la dernière variable, c'est self. Donc pion, c'est-à-dire c'est la variable boolean qui permet de tester s'il y a un pion dans s'il y a un pion dans la cage. Voilà. Donc je crois que c'est bon pour la récupération des différentes valeurs dans le constructeur. Maintenant, on va aller sortir un peu ici et créer une autre fonction qu'on va appeler equal. Et donc cette fonction-là, en quelque sorte, c'est une fonction qui nous permet de tester si notre classe, c'est-à-dire un élément de la classe, est égal à un autre élément qu'on va donner en parallèle. Et donc, c'est pour tester si un élément de la classe, c'est-à-dire un élément ici de type case, est égal à un autre élément qu'il va recevoir en paramètre.
Donc, on va faire ça et ensuite, on va donner les parenthèses, donner le self d'abord comme premier paramètre. Le self est toujours le premier paramètre dans les fonctions de la classe, il faut le savoir. Et ensuite, donner donc ED pour dire un autre élément. Ensuite, on va mettre ici deux points et dans la fonction, on va dire qu'il va retourner. Voilà, donc return. Qu'est-ce qu'il va retourner dans notre cas? Voilà, on va mettre des parenthèses ici et dire que self.x1. Donc, deux cas sont égaux si ils ont les mêmes coordonnées. Donc, les coordonnées, on sait que c'est x1, x2, x3, x4. Non, x1, x2, y1, y2. Voilà, donc on va essayer donc de tester si à chaque fois les mêmes coordonnées se répètent. Voilà, donc on va dire x1. Voilà. On va donner end. Donc, on va dire aussi self.y1 cette fois-ci. Y1 est égal à O2 point Y1 est égal à O2 point Y1. Excusez-moi, donc là je vais mettre un petit espace. On va donner encore un et on va dire self point XD voilà est égal à O2 O2 point XD. Point xd, voilà, maintenant ça reste la dernière égalité, c'est le yd. On va dire maintenant self point yd est égal à od point yd. Excusez-moi, yd. Voilà, c'est bon, je crois que c'est bon si on ne s'est pas trompé. C'est ça la fonction qui permet de tester s'il y a égalité entre deux classes de type cage. Voilà, donc c'est bon. On va sortir et créer d'autres fonctions dont on aura besoin, franchement, pour pouvoir afficher notre damier. Et donc, la première fonction, ça sera le getCordCage. C'est-à-dire, c'est la fonction qui permet en quelque sorte de prendre en quelque sorte les coordonnées de la cage à partir de la classe. Et donc, on va mettre parenthèse, on va toujours donner le self. Et mettre deux points à la fin de la fonction. Et ensuite, on va mettre return. Donc, les coordonnées de la cage, vous connaissez tous. Donc, c'est une liste en quelque sorte. Pour la liste, donc, on va dire, voilà. C'est return. Pour les coordonnées de la cage, c'est le self.x1. Self.x1, virgule, self.y1, virgule. Et donc, on va mettre self.y, non pas y, mais xd d'abord. Et enfin, on va mettre virgule d'abord et mettre self, voilà, point y, d. Voilà. Donc, c'est ça les coordonnées de notre cage. On va copier la même fonction. Et cette fois-ci, on va mettre get cord pion. Maintenant, ce n'est plus les coordonnées de la cage, mais c'est coordonnées d'un pion, c'est-à-dire le pion qui se trouve dans la cage. Et donc, on a configuré notre damier de telle sorte que pour n'importe quelle cage, le pion qui est à l'intérieur aura les coordonnées comme ça. Donc, on va ajouter plus 10 ici. On va ajouter plus 10 ici. Et donc, là aussi, on va mettre plus 10 pour les x1 et les y1. Donc, on va mettre plus 10. Et pour les x2 et y2, on va mettre moins 10, moins 10. Donc, pour avoir un cercle. Et donc, on sait bien que les pions ont donc une forme d'un cercle. Voilà, donc on va mettre ici moins, moins 10. Et là aussi, on va mettre moins 10. Voilà, je crois que c'est bon pour getCordPion et getCordCage. C'est bon. Maintenant, on va retourner et créer une autre fonction aussi dont on aura besoin. Cette fonction-là, excusez-moi, ça va s'appeler donc set. Dès lors qu'on a une variable set, on peut savoir que c'est une variable qui permet de modifier. Et donc, si elle modifie, elle reçoit quelque chose en paramètre. Et donc, c'est la valeur à modifier. Donc, set pion, c'est-à-dire que là, il essaie de modifier la cage en disant qu'elle a un pion ou bien qu'elle n'a pas de pion. Par exemple, une cage peut avoir un pion à un moment donné. Mais, par exemple, ce pion-là, si ce pion-là bouge de cette cage-là, on doit modifier, on doit reconfigurer la cage et dire qu'elle n'a plus de pion. Voilà, c'est pourquoi on va utiliser cette variable setPion là qui permet en quelque sorte
quelque chose de très simple, c'est seulement de mettre self.pion. C'est de mettre à jour en quelque sorte la variable pion à la variable qui est donnée en paramètre. Voilà, c'est ça tout simplement. On va copier, aller à la ligne. Et cette fois-ci, on va utiliser cette couleur. Donc, on va utiliser cette couleur, couleur pion, voilà. Cette couleur pion. Excusez-moi, cette couleur pion. Voilà. Et cette fois-ci, ce n'est plus le set pion, mais c'est le set de la couleur de la pion. Donc ici, on va mettre self.couleur pion alors est égal à donc val. C'est bon. Est égal à la valeur qui est donnée en paramètre. Voilà, c'est bon, je crois, pour les fonctions. Voilà, il en reste deux tout simplement. C'est lequel? Donc, c'est la fonction qui permet de créer la cage. Donc, créer cage. C'est la fonction qui permet de créer la cage du dummy en quelque sorte. On va mettre parenthèse et mettre deux points ici. Excusez-moi. Et ensuite, n'oubliez toujours pas, il y a toujours le self qui est donné dans les fonctions de la classe. Donc, on va dire que cette fonction-là, maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est de créer une cage. Et on sait qu'une cage, c'est un rectangle en quelque sorte. C'est la forme d'un rectangle. Donc, on va dire donc can.create. Can.create rectangle. Donc, on va donner un tiret du bas et mettre rectangle. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on crée un rectangle donc en TechInter. Mettre les parenthèses et ensuite, on va donner les coordonnées. Les coordonnées de la cage. Donc, pour cela, on peut juste venir copier ces coordonnées-là pour aller un peu plus vite. Et donc, les mettre ici. Voilà, coordonnées déjà copiées. Ce qui reste maintenant, c'est de donner le fil. Et le fil, en réalité, c'est la couleur de la cage. Et la couleur de la cage, elle va prendre la valeur de self.couleur cage qui est juste par ici. Voilà, je crois que c'est bon pour la création de notre cage. Maintenant, ça reste une seule fonction pour pouvoir afficher notre dummy. Et donc, cette fonction-là, on va dire, c'est la fonction placer pion. Donc, on place un pion dans une cage. Oui, les gars, placer pion dans une cage. Placer pion, voilà. Self. Quand est-ce qu'on doit placer un pion dans une cage, les gars? On doit placer un pion dans une cage si et seulement si cette cage-là doit recevoir un pion en quelque sorte. C'est pourquoi on va commencer par tester si self.pion existe. C'est-à-dire si self.pion existe. Et si elle existe, il est différent de 0. C'est-à-dire que si cette cage-là est apte à recevoir un pion, on teste d'abord. Voilà. Maintenant, si on teste et que c'est bon, on va créer le pion. Et on sait que le pion, les gars, ce n'est pas un rectangle, mais c'est un ovale. C'est-à-dire que c'est un cercle. C'est pourquoi on va mettre ici un can.create ovale. Et cette fois-ci, on ne va plus prendre les mêmes coordonnées que les rectangles, mais on va prendre les coordonnées des pions qui est juste par ici. C'est-à-dire ajouter 10 et retirer 10. Voilà. Donc, on va mettre ça ici. Et ensuite, le self, la couleur, ce n'est plus donc la couleur de la cage, mais c'est la couleur de la pion. Voilà, je crois que c'est simple, les gars. Vous avez compris les principes en quelque sorte. Voilà, donc je crois que c'est bon pour le moment pour notre classe cage. Elle est loin d'être terminée. Il y a d'autres éléments qu'on va ajouter. Mais pour l'affichage du dummy, quand même, ces fonctions-là suffisent pour les afficher. Maintenant, on va sortir un peu de la classe. Et donc, créer une fonction en dehors de la classe. Et cette fonction-là, on va l'appeler DAM. Vous vous rappelez de cette fameuse fonction, les gars? Si on descend un peu, on va voir que le bouton qui affichait le dummy, la commande qu'il recevait, c'est une fonction DAM. Voilà. Et donc, cette fonction-là, on doit la créer pour que quand on clique sur le bouton DAM, quand on clique sur le bouton commencer, que le dummy puisse s'afficher. Voilà, donc c'est pourquoi on va créer ici une fonction DAM, mettre deux points et ensuite aller à la ligne et commencer à implémenter la fonction DAM. Donc, la fonction DAM, qu'est-ce qu'elle va, elle va faire? Elle va recevoir des variables globales. Et ces variables globales-là, donc, c'est en quelque sorte les coordonnées d'une cage et éventuellement les coordonnées d'un pion. Voilà, donc je vais donner Y1, donc je vais donner d'abord XD, excusez-moi. XD
Et ensuite, je vais donner Y2. Voilà. Donc, c'est ça qui recevra en variable globale. Et donc, si on met ici des variables globales, c'est-à-dire que ces variables-là existent déjà. Et donc, si elles existent, elles doivent être initialisées. Raison pour laquelle on va mettre un petit break et venir entre ces deux parties-là, c'est-à-dire entre la création de la fonction DAM et donc la création de la fenêtre TechInter, on va mettre un commentaire ici, par exemple, en disant, ici, c'est l'initialisation. Donc, initialisation donc de nom variable. Voilà, c'est ici qu'on va initialiser l'ensemble des variables pour qu'on puisse les importer globalement. Voilà, donc on va prendre par exemple ce qu'on avait pris tout à l'heure ici et on va renseigner x1, x2, x3 jusqu'à x4. x1, x2, y1, y2. Voilà, on va les renseigner, on va mettre un égal et donc donner pour. Le x1, c'est 5 au début, donc je vais donner 5. Pour le x2, c'est 5 aussi au début, je vais donner 5. Non, pour le y2, excusez-moi. Et ensuite, il y a les x2, y2 qui sont égales à 45 au début. Donc, 45, virgule, et l'autre aussi, c'est égal à 45. Voilà, donc c'est bon, on a initialisé nos variables. Aussi, on aura besoin d'initialiser d'autres variables au fur et à mesure, vous allez voir qu'on va le faire. On va retourner maintenant dans nos fonctions DAM. Et donc, on pourra continuer à implémenter notre fonction DAM. On a besoin maintenant de créer des variables locales à la fonction. Donc, ces variables-là, on peut prendre ITE, par exemple. Ensuite, on va prendre une variable qui s'appelle I. On va prendre une variable qui s'appelle couleur cage. Mais c'est une variable qui est locale à la fonction, les gars. Il faut connaître la notion de variable locale et de variable globale. Donc là, on va donner 0. Pour le ITE, excusez-moi. Ensuite, on va donner 1 pour le ITE, pour le I. Et enfin, on va donner, pour la couleur de la cage, on va donner le dièse. On va mettre d'abord des cotes. Et ensuite, on va mettre dièse. C'est le F07AB7. F07AB7. Voilà. Nos variables locales à la fonction sont déjà créées. Maintenant, on peut commencer une boucle while pour franchement commencer à afficher notre damier. Donc, on va dire while x1 inférieur à 200. Donc, on va dire, on va utiliser inférieur à 200. Excusez-moi, c'est mon clavier toujours. Voilà, et donc mettre et x2, lui aussi, non pas x2, mais y1, inférieur lui aussi à 200. Donc, on va mettre inférieur à 200. Et donc, mettre deux points. À chaque fois, si on fait un if ou bien un while ou bien une fonction, ça se termine toujours par deux points en Python. Voilà, c'est l'équivalent en quelque sorte des accolades dans les autres langages, dans les langages C et autres. Voilà, donc on va mettre ici maintenant une condition. If i est inférieur ou égal à 12, c'est-à-dire que si on est à la partie supérieure du damier, donc inférieur ou égal à 12, excusez-moi, if i est inférieur ou égal à 12, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a à faire? On va mettre d'abord les deux points, aller à la ligne et donc donner la couleur de la pion. Couleur pion, voilà, qui sera égale. On va mettre les codes simples, ensuite donner le dièse 9FEB87. 9FEB87. 9FEB87, donc là c'est un dièse, on s'est trompé. Voilà, 9FEB87. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est donner donc tous les cages. C'est une variable qui s'appelle tout. Excusez-moi, c'est le tiré du 8. Tous les cages. Donc, c'est une liste en quelque sorte qui prend toutes les cages du damier en quelque sorte. Et donc, je vais mettre tous les cages. C'est une liste. Donc, on va mettre append. Point append. On va créer la liste tout à l'heure, ne vous en faites même pas. Donc, point append, et vous connaissez, quand on utilise la fonction append sur une liste, c'est vouloir ajouter des éléments dans cette liste-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? C'est des cages. Donc, c'est des cages en utilisant la classe cage qu'on avait créée tout à l'heure. On va mettre des parenthèses, donner donc les coordonnées de cette cage-là. Donc, c'est ça, on va le mettre ici. Ensuite, on va mettre un virgule. Après le virgule, on va donner la couleur de la cage,
ici et mettre virgule, ensuite donner la couleur de la pion et ensuite mettre virgule et dire que le pion maintenant c'est 1 pour dire qu'il y a franchement un pion dans cette cage là. Voilà, donc je crois qu'on peut un peu aller au niveau de notre jeu pour que je vous explique franchement ce qu'on est en train de faire là, c'est quoi. Donc on avait dit tout à l'heure ici, excusez-moi, on va y retourner, voilà. On avait dit que si i est inférieur ou égal à 12, c'est-à-dire qu'on est sur cette partie-là, on sait que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si il est à cette partie supérieure-là, la couleur, donc, c'est vert. C'est pourquoi on a pris cette couleur-là. Et il va ajouter ces cages-là en même temps et ajouter là-bas un pion. Parce que la partie pion, on a dit que c'est 1. Il doit y avoir franchement un pion là-bas. C'est ça en quelque sorte qu'on est en train de faire. Voilà. Je crois que c'est bon. Pour le i inférieur égal à 12, on va juste copier ça. Et ensuite revenir ici. Maintenant prendre le l elif. Voilà. Elif i est maintenant est supérieur à 13. Maintenant, si i est supérieur à 13, si i est supérieur à 13, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est-à-dire que la couleur des pions maintenant, ce n'est plus le vert, mais ça va devenir la couleur sous forme de jaune. C'est pourquoi on va utiliser le FF DE01. Donc, DE01. Voilà. Et donc, ça va rester la même chose. Il y a toujours un pion là-bas. Maintenant, quand est-ce qu'il n'y a pas de pion là-bas? C'est le cas de else. C'est-à-dire, vous savez bel et bien que quand on commence les jeux, au milieu là, il n'y a pas de pion. C'est-à-dire, au niveau de la cage 13, il ne doit pas y avoir de pion. C'est pourquoi donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire deux points. On va venir ici et dire, on va prendre ça et on va copier ça, tout simplement, ça, oui. Et dire ici, tous les cages point append, donc cage, donc ça je vais un peu aller à la ligne pour que ça soit beaucoup plus clair, voilà. Et donc tous les cages point append, cage x1 x2 y1 y2 et donc couleur cage. Maintenant pour la couleur pion, on met seulement des doubles codes pour dire que puisqu'il n'y a pas de pion, on n'a pas besoin de donner une couleur. Et donc pour les pions aussi, on va dire que 0 parce qu'il n'y a pas de pion dans cette cage là. Pourquoi? Parce que c'est la cage milieu. Voilà. Je crois que c'est bon pour l'affichage de nos différentes cages. On va maintenant venir ici faire quoi? On va mettre tous les cages. Point. Donc, tous les cages, on va utiliser les crochets. Voilà, les crochets. Tous les cages moins 1. Je vais mettre moins 1. Si on prend... excusez-moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mon clavier, bon, je ne suis pas trop habitué sur ces claviers-là. C'est pour cela. Donc, je vais mettre ici, voilà, moins 1. Si on met une liste moins 1, en quelque sorte, le but, c'est de récupérer la dernière élément de ces listes-là, en quelque sorte. Et la dernière élément de ces listes-là, on va l'associer à la fonction, ou bien à sa fonction. On va mettre ici, point, à sa fonction créer cage. Voilà. Pourquoi on fait ça? C'est-à-dire que dans la liste tous les cages, il n'y a que des éléments de type cage, c'est-à-dire que des éléments de la classe cage. Donc, si on prend un élément dans cette cage-là, on peut créer cette cage-là, en quelque sorte. Exactement, c'est pour cela. Donc, à chaque fois dans la boucle while, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la dernière élément qu'on vient d'ajouter dans la liste tous les cages et il le crée. Et quand il le crée, il va s'afficher. Pourquoi? Parce qu'il va appeler la fonction créerCage qui se trouve dans la classe créerCage. Et cette fonction-là, en quelque sorte, elle crée un rectangle et c'est en prenant ces différents paramètres-là. Alors, j'espère que vous avez compris dans l'ensemble, les gars. Il reste sans doute quelques petits éléments à faire. Donc, c'est des éléments itératifs en quelque sorte. Donc, ces éléments-là, on va les mettre ici. On va utiliser la fonction ITE, non, la variable ITE qu'on avait créée tout à l'heure. Donc, on va mettre 5 est égal à 5. Voilà, on va mettre 2 points. On va aller à la ligne. Si c'est égal à 5, qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a qu'à faire revenir les variables Y1 et Y2.
Oh, excusez-moi. Voilà, Y1 et Y2. On va les faire revenir. C'est-à-dire, on va les incrémenter en quelque sorte. Et ça va être Y1 plus 40. Donc, on va à chaque fois ajouter 40. Et donc, on va mettre virgule et donner aussi Y2 plus 40. Oh, excusez-moi. Plus 40. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? On va prendre cette même variable ITE là. Virgule. Et on va prendre le X1. C'est-à-dire que là, on est en train de manipuler les coordonnées, les gars, pour pouvoir, franchement, avoir un affichage de damier correct. Voilà, donc on va mettre XD, et ensuite, on va donner un égal, on va donner un égal, là, je vais mettre égal, excusez-moi, voilà. Donc, après avoir mis les égales, on va donner 0 pour le ITE, c'est-à-dire on va faire retourner ITE à 0. Ensuite, on va faire retourner le X1 à 5. Et enfin, on va faire retourner le XD à 45. Voilà. Je crois que c'est bon. Bon, là, on peut faire un peu serrer les variables pour que ça soit beaucoup plus lisible. Voilà. Maintenant, on va faire le dernier test, sans doute. Ça sera le test sur les I. Si I modulo 2. Donc, on va mettre ici modulo. Modulo, donc, c'est le pourcentage. Où est-ce que je peux trouver mes pourcentages? Si pas trop habitué avec ces claviers, les gars. Mon pourcentage, voilà, c'est là. Voilà, I modulo 2, c'est-à-dire que la division entre I et D, le reste de la division entre I et D est égal à 0. Et si le reste de la division entre I et D est égal à 0, c'est parce que I est pair. Maintenant, si I est pair, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est donc modifier la couleur de la cage et dire pour tous les cages paires, la couleur, ça sera donc le white. White, voilà. Et le white, on doit le mettre dans des doubles codes ou bien dans des codes simples. Oh, excusez-moi, qu'est-ce que je suis bête là. On va mettre un CTRL Z. Et donc pour le white, on va le mettre ici. Oh, excusez-moi. Voilà. Donc c'est des doubles codes et dans les doubles codes on va mettre le white. Voilà, cette couleur là est égale à ça si I modulo 2 est égal à 0, c'est à dire que si I est pair. Maintenant else, si I n'est pas pair, qu'est-ce qu'on a à faire? On va mettre deux points d'abord, aller à la ligne et mettre donc cette fois-ci couleur de la cage est égale, cette fois-ci il ne sera pas égal à white mais il va être égal à F07 AB7. Donc, c'est pourquoi je vais prendre le double code ici. Mettre F0. Oh, excusez-moi. Je n'avais pas activé ma pavé numérique. F07. F07. AB7. Voilà. C'est bon pour les couleurs des cages. Maintenant, on va sans doute créer les pions. Une fois que les cages sont créées, il faut insérer les pions aux parties où on doit les insérer. C'est pourquoi on va sortir catégoriquement de la boucle while et entamer une boucle for cette fois-ci. Et dans cette boucle for là, qu'on va dire cage, for cage in. Et donc, on va dire tous les cages, for cage in tous les cages. Excusez-moi les gars, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? For cage in tous les cages, on va mettre cage et on va l'associer à sa fonction créer ou bien pas créer mais placer pion. Voilà, placer un pion dans cette cage là. On va donner les parenthèses ici. Voilà, je crois que c'est bon pour notre fonction, d'âme, si on ne s'est pas trompé quelque part. Alors maintenant, rappelez-vous, si on avait cliqué ici. On va retourner un peu. Si on avait cliqué sur notre jeu et qu'on vient et qu'on tape directement sur commencer, vous allez voir que le bouton commencer a disparu et qu'il a donné place au score. Et ça, on va l'ajouter dans notre fonction d'âme qu'on était en train de créer tout à l'heure. Voilà, c'est seulement ça qui reste dans notre fonction d'âme. Et pour le faire, on va dire, on va le mettre ici. On va dire bouton d'âme, point destroy pour le détruire, donc pour qu'il puisse disparaître carrément. Point destroy, on va mettre les parenthèses
Et ensuite, on va faire quoi en quelque sorte? On va packer les scores, c'est-à-dire on va placer les scores. C'est pourquoi on va mettre ici un score.pack. Voilà. Et là, maintenant, je crois qu'on est bon pour notre fonction DAO. On peut revoir notre code pour voir si franchement on ne s'est pas trompé quelque part ou quelque chose comme ça avant d'exécuter et de trouver qu'on pourra afficher notre damier et tout ça. Voilà, donc ici, il ne faut toujours pas oublier, comme je vous l'avais dit, tous les cages, on doit l'initialiser. La variable tous les cages ici, on doit l'initialiser. Et donc, initialement, ça a été une liste. Voilà. Ça, on l'avait oublié et on l'a rectifié. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bon, là, je crois que c'est bon quand même. De toute façon, on peut venir tester, ensuite revenir pour voir où est-ce qu'on a fait des erreurs. On va enregistrer, ensuite on va venir ici mettre copy file path, aller au niveau de notre CMD et donc coller le file path et ensuite cliquer sur entrée. Voilà, on commence à avoir des erreurs. Des erreurs bêtes, 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 parce que ici, si on veut tester en quelque sorte une égalité, il ne faut pas mettre directement l'égal, mais il faut mettre 2 égal. C'est comme si c'est un if en quelque sorte. Voilà, ici c'est 2 égal, c'est égal, égal. Voilà, on va enregistrer et on va y retourner à nouveau. Toujours quelques problèmes à la ligne 17 par exemple. À la ligne 17, voilà, def get code case. Get code case, c'est quoi son problème à ce niveau-là? C'est quoi son problème à ce niveau-là? Je sais pas moi. Je vais retourner pour voir ce qu'il avait dit. Ah, c'est un problème d'indentation en quelque sorte. C'est un problème d'indentation. Pourtant, j'ai bel et bien indenté mon code. Voilà, tout est dans la classe et tout ce qui est dans les fonctions. C'est dans les fonctions. Je comprends pas. Voilà, donc c'est juste. Voilà, donc je crois que c'est juste un problème d'indentation au niveau de l'éditeur de texte qu'on est en train d'utiliser. Et donc, c'est avec Sublime Text. Pour cela, on va juste aller sur Views. Ensuite, aller sur Indentation et ensuite mettre Convert Indent to Table. Ça peut ne pas être le cas pour vous parce que si vous n'utilisez pas Sublime Text, vous n'aurez pas ce problème-là. Je vais mettre un CTRL S et ensuite revenir pour compiler à nouveau. Et voilà, donc il y a un autre problème à la ligne 33, if self.py. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. À chaque fois qu'on met un if, il faut terminer avec 2 points, les gars. On va enregistrer. Oh, excusez-moi. On va enregistrer et y retourner à nouveau. Et voilà, cette fois-ci, il nous a affiché notre damier. On va cliquer sur le bouton commencer. Boum, il y a une erreur, les gars. Et cette erreur-là, c'est où exactement? C'est où? C'est à la ligne 51, apparemment. Il dit que UpNoColor F00 AB7. Il y a quelque part où on a donné une couleur, sans pour autant, en quelque sorte, sans pour autant mettre les codes simples. Ou bien non, pas, sans pour autant mettre le dièse. Voilà, donc tout ça là, c'est des erreurs bêtes, les gars. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà, c'est ici. On n'avait pas mis le dièse, alors que toutes les couleurs, les gars, doivent commencer par un dièse. On va enregistrer, y retourner à nouveau, cliquer sur le bouton commencer. On a cliqué sur le bouton commencer, rien ne se passe. Oups, 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 oups. Certainement, on a fait des erreurs quelque part, ce qui a amené à ça. Bon, on va mettre une petite récapitulation. Voilà les gars, donc on avait fait une erreur bête les gars. C'est toujours au niveau de la redéfinition des différentes variables et coordonnées de la fonction DAM, c'est-à-dire des damiers. On sait qu'ici pour l'affichage des damiers, c'est des itérations. Et les itérations, on les met à jour à chaque fois dans la fonction while. Et donc on a oublié franchement de redéfinir la variable ITE, la variable X1. Virgule et la variable aussi XD, tous ces variables-là devraient être remettre à jour à chaque fois, à chaque itération, mais on ne l'avait pas fait. Donc c'était ça le problème en quelque sorte. C'était des incrémentations. Donc i est égal à i plus 1. On va dire i plus 1. Excusez-moi. I plus 1.
i plus 1, virgule, le ite aussi est égal à ite plus 1, virgule, on a aussi le x1 qui est égal à x1, x1 plus 40, et on a le x2 qui est égal à x2 plus 40. Donc c'est ça franchement qu'on avait oublié, et si on oublie ça les gars, c'est mort, on ne pourra pas afficher notre damier, et donc c'est pourquoi le jeu s'était planté. On va y retourner à nouveau pour essayer de recompiler. Voilà, on va cliquer sur commencer et boum, voilà. Donc c'est bon. Ça c'est affiché et c'est bien affiché même. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On voit que notre damier est là. Si on clique, rien ne se passe. Parce qu'on n'a pas encore configuré les trucs en fait. Si vous vous rappelez, il y avait quelque part où on avait mis les trucs là en commentaire. C'est le can.bind, le bouton press 1, le bouton motion et le bouton release. Et ces fonctions là, on ne les avait pas encore créées. C'est la fonction clic, la fonction bouger et la fonction arrêt. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va décommenter en quelque sorte ces lignes là pour pouvoir en quelque sorte cliquer sur des pions et pouvoir les déplacer. Et si on décommente en quelque sorte, on doit créer les fonctions rapidement. Sinon, il y aura des exceptions dans notre programme Python. Voilà, donc on va commencer d'abord par créer la fonction qui s'appelle click et mettre les parenthèses. Toutes les fonctions doivent recevoir un paramètre event, c'est-à-dire un paramètre parce que c'est des écouteurs en quelque sorte. C'est des fonctions qui écoutent un événement. Et cette fonction-là, par exemple, elle écoute l'événement click. C'est pourquoi on doit toujours mettre en paramètre les event pour montrer que c'est des fonctions qui sont différentes des autres et qui écoutent à chaque fois. Voilà, donc, bon, pour ce clic-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre un pass directement. Je vais mettre un pass. Je vais créer encore une autre fonction, excusez-moi, qui s'appelle bouger. Voilà, qui s'appelle bouger. Je vais mettre les parenthèses et mettre event encore. Mettre les deux points. Et ensuite, à chaque fois, je vais passer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans cette fonction pour le moment. Je vais créer encore une autre fonction qui s'appelle arrêt. Voilà, arrêt, c'est la fonction qui permet de tester si on a laissé la souris ou pas. Et on va mettre les parenthèses, ensuite donner les event à nouveau. Et enfin, on va mettre deux points ici. Et enfin, on va mettre pass. Voilà. On va enregistrer ici pour revenir et voir que maintenant, voilà, si on regarde bien, si on clique sur le bouton commencer, voilà, il y a le main qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'on peut désormais pouvoir cliquer sur la souris. Mais si on clique, pourquoi ça ne bouge pas? Ça ne bouge pas parce qu'on n'a pas demandé, on n'a pas écrit des lignes de code qui permettent de faire bouger un pion. Exactement, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va y retourner. On va donc sans doute commencer par notre fonction click. Voilà, pour la fonction click, il doit prendre un paramètre de variable globale. Les variables globales qu'on va créer après, c'est la cage de départ, c'est-à-dire la cage qu'on vient de cliquer. Cage départ, virgule. Ensuite, on va prendre une autre variable globale, c'est le pion qu'on a cliqué à l'instant T, donc pion cliqué, virgule. Et enfin, il y a la session. Session, les gars, c'est une variable qui va nous permettre de savoir qui va jouer à l'instant tel ou à un autre instant. C'est-à-dire que si le jaune joue, il doit laisser la place d'abord au vert, ensuite pour pouvoir le jouer. Mais il ne peut pas jouer deux fois. Donc, c'est les sessions qui vont nous permettre de le faire. Et vous allez voir que la variable session, c'est très simple. On va l'initialiser juste après. On va maintenant créer deux variables, x et y. Et ces variables-là, en quelque sorte, n'oubliez pas, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce event-là, il nous permet en quelque sorte d'écouter les événements. Et donc, ce event-là, il va nous permettre de récupérer les X et les Y du bouton de la souris ou bien du clic droit de la souris. Exactement. Donc, si on met event.x, donc c'est les coordonnées X donc, de la souris à l'instant actuel. Et donc, event aussi, .y, ça sera les coordonnées actuelles, donc des Y de notre souris. Voilà, on va initialiser la variable pion cliqué à 0 pour dire qu'à cet instant, à l'instant T, aucun pion n'est cliqué.
Ensuite, pour la case départ aussi, on va dire 0. Donc, il n'y a pas de case de départ au début. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre cliquer. On va créer une variable qui est locale à la fonction, vous savez. Voilà, cliquer est égal à can.findOverlapping. FindOverlapping, c'est quoi? C'est en quelque sorte de trouver un élément dans la fenêtre ou bien dans la cage, dans le canvas, sur les coordonnées qu'on va renseigner. C'est-à-dire qu'il va trouver l'élément le plus proche au niveau des coordonnées qu'on va lui donner. Oh, ça, c'est intéressant. Donc, on va mettre find overlapping. Oh, excusez-moi, find overlapping. Je crois qu'on ne s'est pas trompé sur l'écriture. Voilà, c'est bon. On va cliquer sur les parenthèses et mettre x, virgule, y, virgule, x, virgule, y. Voilà. Donc, il va trouver l'élément qui est le plus proche de là où on a cliqué, c'est-à-dire le bouton de la souris, puisque notre x et notre y c'est égal au event.x et event.y, et là il va essayer de trouver l'élément qui est le plus proche. Et on est sûr et certain, je vais revenir un peu sur notre jeu, que si on clique sur cet événement là par exemple, si on clique, il va trouver des éléments. Bien sûr, il va trouver des éléments. Pourquoi? Parce qu'ici il y a une cage blanche. Et ensuite, il y a un pion vert. Il va trouver deux éléments. Ce qui veut dire que le résultat qu'il va retourner sera sous forme d'un liste. Voilà, d'un liste où il y aura d'abord la cage et ensuite le pion. Oh, exactement, ça c'est intéressant. C'est pourquoi on va mettre if lem de cliquer, c'est-à-dire la taille de la liste qu'il va renvoyer en quelque sorte, est supérieure à 1. Il faut que ça soit supérieur à 1. Pourquoi ça doit être supérieur à 1? Parce qu'il doit trouver deux éléments. S'il trouve un seul élément, c'est qu'il n'y a pas de pion là-bas, en quelque sorte. J'espère que vous avez compris les trucs. Voilà, donc on va mettre ici supérieur à 1. Supérieur à 1. Ensuite, on va mettre quoi maintenant? Voilà, on va créer une variable corde. Une variable corde qui est égale à can. Et vous savez, la fonction cordes avec un C, avec un S à la fin. Je vais vous écrire ça. Cette fonction-là, avec un S à la fin et les parenthèses, nous permet de récupérer les coordonnées d'un élément à l'instant T au niveau de notre canvas. Et tout ça, là, donc, c'est TechInter qui nous permet de le faire. Voilà, donc, c'est pourquoi on va récupérer les cordes, de cliquer. On va mettre les parenthèses ici, non, les crochets. Excusez-moi. On va mettre les crochets et dire 0. Voilà, récupérer les coordonnées, de cliquer 0. C'est quoi cliquer 0? C'est le premier élément qui est retourné par le find overlapping qui était là tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la cage en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est la cage. On récupère les coordonnées de la cage. Si on récupère les coordonnées de la cage, donc on peut renseigner la variable de la cage départ. Si on connaît les coordonnées de la cage cliquée, donc la cage départ peut être... Donc, on peut récupérer la cage départ puisqu'on connaît la cage qui est cliquée tout à l'heure. Et pour cela, on va utiliser une fonction qui s'appelle trouver cage. Et cette fonction-là, elle reçoit en paramètre des coordonnées et elle trouve la cage qui est donc à ces coordonnées-là. Trop simple, les gars. On va mettre parenthèse et donc on va mettre les coordonnées comme étant, on va renseigner les coordonnées reçues en paramètre comme étant le code de tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est quoi la fonction trouver cage? On va en profiter tout à l'heure, les gars, pour le créer. C'est trop simple, les gars. C'est def. On va mettre def trouver cage, mettre les parenthèses et donc elle reçoit quoi en paramètre? Elle reçoit des coordonnées en paramètre. Et donc, qu'est-ce qu'on a à faire avec cette fonction-là? Je vais mettre ici deux points, aller à la ligne et donc je vais utiliser une boucle for cage in tous les cages, donc on va parcourir toutes les cages et on va tester lequel a les mêmes coordonnées que les coordonnées qui sont reçues en paramètre. Et donc c'est très simple, les gars. On va mettre if cage point if cage point x1 est égal à corde, donc x1 c'est corde de 0. Il faut se rappeler que corde c'est une liste, donc corde de 0, donc là c'est crochet, corde de 0. Voilà, si c'est égal à corde de 0, si c'est égal à corde de 0, virgule,
pas virgule, mais c'est un end, ça doit être une condition en quelque sorte, voilà. Et je vais mettre, voilà, cage, point XD, voilà, cage, point Y1 peut-être, voilà, cage, point Y1 est égal à corde de 1, est égal à corde de 1, et aussi cage, point X1 sera égal donc à corde. Corde de 3, non, pas de 3, de 2, excusez-moi. Voilà, corde de 2. Et enfin, le truc, c'est quoi? On va mettre end. Cette fois-ci, c'est cage. Point. XD sera égal à corde de 3. Voilà, si cette condition-là est vérifiée, donc c'est cette cage-là qu'on va retourner en quelque sorte. Et donc, on va dire ici, c'est égal à corde de 3. Voilà. Maintenant, si on récupère la valeur, en quelque sorte, on va mettre return cage. On va retourner cette cage-là. Maintenant, si on parcourt toute la liste et qu'on ne trouve pas une cage qui a les mêmes coordonnées, c'est-à-dire que là, en quelque sorte, cette cage-là, elle n'existe pas. C'est pourquoi on va retourner exactement au côté du boucle for et on va mettre return 0 pour dire que là, il n'y a pas de cage. Excusez-moi, return 0. Voilà, là, il n'y a pas de cage qui a été trouvée. Donc, on va faire quoi? On va retourner maintenant sur notre fonction click. Cage départ, c'est trouver cage corde. Trouver cage, il va utiliser la variable trouver cage qu'on a créée tout à l'heure. C'est bon. Voilà, maintenant, si on a tout ça, les gars, si on a la cage de départ, maintenant, on va tester. Maintenant, ici, c'était if l'end des clics est supérieur à 1, on prend le coordonnée et on récupère la cage de départ. Maintenant, on va tester maintenant si la cage de départ, cage de départ, point, couleur pion est égal à session. C'est quoi cet élément-là, les gars? C'est quoi cette condition-là? J'espère que vous le connaissez déjà. Cette condition-là, en quelque sorte, c'est de tester si le bouton qu'on vient de cliquer, est-ce que c'est lui qui doit jouer en quelque sorte. Si sa couleur est égale aux couleurs de celui qui avait joué tout à l'heure, donc il ne pourra pas jouer. C'est pourquoi on va dire que pion cliqué est égal à 0, parce que le pion-là ne doit pas être cliqué. Et donc, on dit que le pion cliqué est égal à 0. Ensuite, on va mettre un else. Dans le cas échéant, donc c'est-à-dire que c'est lui qui doit jouer. Si la couleur n'est pas égale à la couleur de celui qui avait joué précédemment, donc c'est lui qui doit jouer. Dans ce cas-là, pion cliqué sera bel et bien renseigné et donc ça sera égal à cliquer. Cliquer, donc on va mettre 1, voilà. Rappelez-vous les gars, il ne faut pas vous perdre. J'avais dit ici que cliquer c'est égal à can.field overlapping avec ces coordonnées-là. Et donc je vous avais dit que ça va retourner une liste de deux éléments. Le premier élément c'est la cage qui est cliqué, et la deuxième élément c'est le pion qui est cliqué. C'est pourquoi donc je vous ai mis ici pion cliqué est égal à cliquer 1, parce que les listes ça commence à 0. Donc l'indice 0 c'était la cage, l'indice 1 c'est donc le pion. Voilà, j'espère que vous avez compris dans l'ensemble. Donc c'est ça notre fonction cliquer, les gars. Maintenant, on va aller dans notre fonction bouger. Cette fonction bouger là maintenant, les gars, elle va être la plus complexe, je vous assure. Elle va être la plus complexe des fonctions. Bon, je vais décommenter et donner les variables globales. Les variables globales, donc c'est cage départ et puis on clique. C'est tout simplement ça qu'on a bougé. Cage départ, virgule, et le pion qui est cliqué. Donc, ces variables globales-là, on va les recevoir à partir de la fonction cliquer qu'on avait créée tout à l'heure ici. Une fois qu'on a ça, on va mettre la même chose, cette même ligne-là, on va la remettre ici. On récupère toujours les X et les Y de la souris, même si on est en train de bouger, on les récupère quand même. Voilà. Donc, après les avoir récupérés, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a, les gars, je vais vous poser une question, est-ce qu'il y a la peine de faire bouger un pion si les variables pion cliqué et les variables cage départ ne sont pas renseignées? S'il n'y a pas de cage départ et s'il n'y a pas de pion qui est cliqué, est-ce qu'on peut en quelque sorte déplacer un pion?
Là, je suis sûr que c'est non. Donc, c'est pourquoi, avant de déplacer quoi que ce soit, on teste d'abord si cache départ et puis cliquer existe. Donc, on va dire cache départ n pion. Excusez-moi, n pion, cliquer. Si ces deux-là existent maintenant, on peut bel et bien faire bouger nos différents éléments. Donc, if cache départ, n pion, cliquer. Cette fois-ci, maintenant, on va mettre code. On va créer une variable. Code qui est égal à can.code. Comme je vous avais dit tout à l'heure, la fonction code avec un S à la fin nous permet de récupérer les coordonnées d'un élément dans le canvas. Et donc, je vais mettre code, je vais mettre les parenthèses et je vais dire je vais lui demander de me récupérer les coordonnées du pion qui est cliqué. Voilà, on a récupéré les coordonnées du pion qui est cliqué. Je vais créer maintenant une variable. Une variable qui est locale, qui s'appelle déplacement. Oh, excusez-moi, déplacement, qui est égal maintenant, on va utiliser une liste. Et dans cette liste-là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut dire que cette liste-là, c'est juste des coordonnées de pion. Donc, on peut retourner ici, copier ces coordonnées-là, par exemple. C'était où? C'était où? Ah, donc, on peut les écrire directement, c'est pas grave. Donc, c'est x moins 10, voilà, virgule, y moins 10, oh, excusez-moi, y moins 10, non, là, c'est moins, excusez-moi, moins 10, virgule, y moins, non, pas ici, c'est ici, moins 10, virgule, et là, ça sera la même chose. Voilà. X moins 10, Y moins 10, et l'autre, ça sera X plus 10. X plus 10 et Y plus 10. Excusez-moi, plus 10. Voilà, c'est ça la variable déplacement, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on clique sur un bouton, le déplacement, il sera régi par ces coordonnées-là. Ces coordonnées de la variable déplacement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est quand point cost. La variable cost, je vous avais dit tout à l'heure qu'elle permet en quelque sorte de récupérer des coordonnées dans une pion. D'accord. Mais aussi, elle a un autre objectif. Oui, elle a une autre utilité. C'est quoi? C'est de pouvoir faire bouger un élément. C'est-à-dire de pouvoir faire modifier la coordonnée des éléments qu'on a mis en paramètre. Vous allez voir. Elle est très importante. Donc, on va utiliser la même fonction cost. Cette fois-ci, elle reçoit en paramètre l'élément qu'on veut faire bouger. L'élément qu'on veut faire bouger, c'est le pion qui est cliqué. Voilà, le pion qui est cliqué doit bouger. Mais elle doit bouger selon quoi? Elle doit bouger selon les coordonnées de la fonction déplacement qu'on avait créée tout à l'heure. Voilà, elle doit bouger selon ces coordonnées-là. J'espère en tout cas que vous avez compris et que vous vous êtes pas un peu perdu, les gars. Donc, ici, je crois qu'on peut enregistrer pour voir un peu les trucs, c'est-à-dire pour voir que les clics ça marche et aussi qu'on peut faire bouger un élément. Et ensuite, maintenant, on va gérer la fonction qui est la plus complexe dans ce jeu, c'est la fonction arrêt, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait arrêter un pion, on doit tester si l'endroit où on l'a arrêté, c'est possible d'arrêter là-bas un pion ou c'est pas possible. On va enregistrer, allez. Exécuter à nouveau notre programme. Donc, il y a un petit souci au niveau de la ligne 69. Voilà. On dirait que moi, bon, je suis toujours bête. À chaque fois, je me dis que quand on fait un test, on doit mettre des égal. Mais moi, j'oublie à chaque fois, je mets un seul égal. C'est égal, égal, au lieu de d'un seul égal, les gars. C'est égal, égal. On enregistre. On y retourne. Il y a toujours un problème. C'est parce qu'ici, à la fin du if, on doit mettre deux points, les gars. On y retourne à nouveau. Et voilà, c'est bon. Il y a notre ami qui est là et un autre pion. On va voir maintenant si on clique. Hop, ça ne bouge pas. Oui, ça ne bouge pas. Parce que certainement, on a fait une erreur quelque part. Pourquoi ça ne bouge pas? C'est parce qu'ici, j'ai utilisé la variable session comme étant une variable globale. Et là, j'ai testé si le cache de départ point couleur. C'est-à-dire que cette cache-là, elle doit jouer en quelque sorte. Si elle est égale à session, alors que là, on a pas encore, comment dirais-je, on n'a pas encore renseigné la variable session.
Pour la variable session, maintenant, on va aller au niveau de là où on avait déclaré nos variables globales et on va la renseigner là-bas. La variable session, les gars, elle est égale à un double code simple au début. C'est égal à ça. Voilà, donc, je crois que c'était ça, notre problème en tout cas. Ici, bon, on peut revoir le truc. Si case départ point couleur pion est égal à ça, alors le pion cliqué est égal à 0. Maintenant, sinon, le pion cliqué est égal à cliquer. On va y retourner pour voir les trucs. On va faire bouger l'élément. Oups, ça ne bouge toujours pas. Ça ne bouge pas. Le jaune aussi, ça ne bouge pas. Bon, on voit que ça marche toujours pas. Bon, je vais voir. Au niveau de la récupération des clics là et autres, on va voir si on ne s'est pas trompé ici. Voilà, c'est ici qu'on s'est trompé. Donc là, il faut mettre des guillemets. C'est des guillemets, les gars. Sinon, il ne pourra pas récupérer les événements en quelque sorte. C'est des guillemets, excusez-moi, pour cette erreur bête que j'ai fait. Oh, excusez-moi. C'est les guillemets ouverts et les guillemets fermés. Voilà, c'est ça. Sinon, il ne pourra pas en quelque sorte récupérer l'élément ou bien l'événement. On va y retourner. On va enregistrer d'abord. Ensuite, on va y retourner. On va venir ici. On va cliquer. Ça ne marche toujours pas. Voilà, il dit ici int object has no attribute couleur pion. Int object has no attribute couleur pion. On va venir pour voir ce qu'il est en train de dire. Int objects has no attribute couleur pion. C'était à quelle ligne déjà? Voilà, c'était ici. If cache départ point couleur pion est égal à session. C'est-à-dire que là, il n'a pas trouvé le cache de départ. Il ne l'a pas trouvé. Pourtant, on a bel et bien mis ici corde est égal à can.corde. Cliquez 0. Et ensuite, on a mis cage de départ est égal à trouver cage, corde. Et donc, il n'a pas trouvé de cage de départ. Parce que cage de départ a toujours maintenu la variable 0. C'est ça notre problème ici en réalité. Et donc, pourquoi pas revoir si on ne s'est pas trompé sur notre variable, sur notre fonction trouver cage. Je ne sais pas. Peut-être qu'on s'est trompé quelque part, on peut revoir la fonction. Donc, for cage in tous les cages. If cage, if cage.x est égal à corde de 0, c'est-à-dire au premier coordonné, cage.y est égal à corde de 1, cage.x2 est égal à corde de 2 et cage.y2 est égal à corde de 3. Là, la condition est bien vérifiée. Si c'est vrai, on va mettre un return case. Et ensuite, si ce n'est pas vrai, on va sortir de la boucle for. Je vais mettre un peu séparer les trucs. Et on va mettre un return 0. Là, je crois que c'est bon quand même. Si on retourne un peu sur notre fonction click, cliquer égale à can.field overlapping, là c'était bon. Cage corde est égal à can.corde cliquer 0. Cage de départ est égal à trouver cage. Et donc là, on teste d'abord si le cage de départ existe et que la cage de départ point pion est égal à la session. Et la session, on l'avait initialisée ici, c'est bon. If pion cage de départ, voilà, c'est bon ici. Et sinon, si là, c'est lui qui doit jouer, donc il va jouer ici. Donc on va donner pion cliqué à cliquer 1. Mais si c'est pas lui, on va dire que pion cliqué est égal à 0. Pour le bouger aussi, on a testé d'abord si ces deux-là existent avant de faire ce qu'on a besoin de faire ici, c'est-à-dire le déplacement. Là, je crois quand même que c'est bon. Sur tous les cages-là, on n'a pas bougé ici, c'était juste pour des tests. Donc, on va enregistrer à nouveau pour voir ce qu'il va donner, le gars. Je vais mettre un contrôle. Je vais effacer tout d'abord. Voilà, et y retourner. Je vais cliquer sur le bouton. Je vais essayer de déplacer. Là, il a récupéré l'élément en quelque sorte, mais il n'a pas pu déplacer. Pourquoi il n'a pas pu déplacer? C'est parce qu'il a dit qu'à la ligne 96, can.corde, voilà, ici, c'est... Voilà, ici, en quelque sorte, c'est pas déplacement, tout simplement.
Si vous vous rappelez en quelque sorte, le déplacement, c'était deux listes en quelque sorte. C'est-à-dire pour récupérer la liste qu'il y a à l'intérieur, il faudra en quelque sorte mettre déplacement de 0 pour récupérer le premier élément. Et le premier élément, c'est une autre liste. Voilà, donc c'est ça. Donc ici, c'est déplacement de 0. Excusez-moi. Voilà, déplacement de 0. On va y retourner. Et cette fois-ci, on voit, boum, ça marche. Donc, on peut cliquer nos éléments et on peut les placer, même si là où on les place, voilà. Donc, ici, la session, il ne peut plus bouger. C'est le vert qui pourra bouger. Et aussi, le vert, hein, lui, il peut bouger. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas encore trop configuré les sessions. C'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que vous pouvez voir quand même que les éléments sont en train de bouger. Et donc, qu'on peut maintenant passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape qui permet de les placer. Voilà, donc on va fermer ici, on va fermer de l'autre côté. C'est bon pour nos fonctions clic et pour nos fonctions bouger. Voilà, on est bon pour ces deux fonctions-là. Maintenant, on va attaquer la fonction qui est la plus importante, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est la fonction arrêt. C'est-à-dire c'est la fonction qui permet d'arrêter en quelque sorte le damier. Oh, excusez-moi, c'est la fonction qui permet d'arrêter en quelque sorte le pion et donc de le placer quelque part. Dans cette fonction-là, on va prendre les variables globales dont on aura besoin. Oh, excusez-moi. On va prendre les variables globales, cage départ, virgule. On va prendre aussi le pion qui est cliqué, virgule. On va prendre les scores. Donc ça, c'est des variables aussi qu'on aura besoin. Score V pour le V. Score J pour le jaune. Et enfin, on a la variable session. N'oubliez pas, c'est-à-dire c'est la variable qui nous permet de déterminer qui doit jouer et qui ne doit pas le faire. Voilà, on va récupérer toujours nos coordonnées. C'est-à-dire il faut toujours, à chaque instant, récupérer les coordonnées de la souris. Et maintenant, c'est à partir de là qu'on va vraiment commencer à tester où est-ce qu'on doit poser les pions. Est-ce que c'est possible de les poser là-bas, oui ou non. Donc pour cela, on va créer une variable qui s'appelle collision. Et cette variable-là, elle aura le même, elle va utiliser la même fonction, donc c'est le find overlapping. Et on va lui donner quelles coordonnées en quelque sorte. C'est x moins 10, y moins 10, c'est les coordonnées en quelque sorte du déplacement. Voilà. C'est le coordonnée du déplacement qu'on avait tout à l'heure ici. On va lui donner ça. Donc, il va essayer de trouver le find overlapping. C'est-à-dire, où est-ce qu'on a voulu poser le pion? Où est-ce qu'on a voulu poser le pion réellement? Voilà. Donc, si on prend cette variable-là, on va créer une autre variable qu'on appelle chord aussi. Et on va mettre égal. Et cette variable-là, elle a pour but de récupérer, en quelque sorte, on va le dire. Elle a pour but de récupérer. Donc, c'est le chord avec S. Elle a pour but de récupérer les coordonnées de cette collision-là. Et comme on avait dit tout à l'heure, les fins overlapping, ça reçoit toujours, ou bien la plupart du temps, ça reçoit deux éléments. C'est-à-dire qu'il reçoit la cage et aussi il reçoit le pion. Mais nous, on a besoin seulement de récupérer ici la cage. C'est pourquoi on va utiliser collision et on va utiliser l'indice 0, c'est-à-dire le premier élément de la liste. Voilà, donc on va dire 0. Donc, si on a récupéré les coordonnées de la cage où on a cliqué, donc cette cage-là, on peut dire qu'elle est la cage d'arrivée. Ce n'est plus la cage de départ, mais c'est la cage d'arrivée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir si notre cage départ, point, donc ici, c'est une fonction qu'on va créer juste après, vous allez voir, peut bouger vers. On va mettre les parenthèses et ensuite on va mettre corde. C'est quoi cette condition-là, les gars? Je vais mettre deux points ici d'abord. Si le cage de départ, c'est-à-dire que le cage qu'on avait cliqué au début, ici il peut bouger vers les coordonnées qu'on va donner ici, c'est-à-dire vers la cage d'arrivée. Est-ce que ce cage de départ-là peut bouger vers la cage d'arrivée? Maintenant, ça, c'est une fonction. Et cette fonction-là, vous allez voir qu'elle est associée à une cage. Et si la fonction est associée à une cage, elle doit être créée donc, dans la classe cage. J'espère que vous avez compris, en tout cas, les trucs. C'est pourquoi ici, on va venir ici mettre df
peut bouger vers. Et cette fonction-là, si vous voyez la manière dont on l'a appelée, donc c'est une fonction qui certainement va retourner true ou false, donc vrai ou faux, parce que c'est une fonction booléenne en quelque sorte. On va mettre les deux points et on va aller à la ligne. Bon, pour le moment, on va juste dire passe. On ne l'a pas encore implémenté. On va l'implémenter juste après. Ne vous en faites même pas. Mais non. On était où? Voilà, on était ici. S'il peut bouger vers. S'il ne peut pas bouger, parce qu'on a dit ici, if not, cage départ, point, peut bouger vers. S'il ne peut pas bouger vers la cage d'arrivée, on va lui faire retourner là où il venait. Là d'où il venait. Donc, c'est pourquoi on va mettre can point corpse. N'oubliez pas, je vous avais dit que la fonction chords avec S de Tkinter nous permet de récupérer des coordonnées, mais aussi il nous permet de déplacer ou bien de mettre à jour les coordonnées d'un élément. Et donc cet élément-là, c'est le pion qui était cliqué au départ. On va lui faire retourner là où il venait. Donc comment on va lui faire retourner? On va mettre cache départ.getCord. C'est-à-dire on va lui faire retourner au niveau des coordonnées, au niveau des coordonnées du cache de départ. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe, les gars. On va venir ici mettre else maintenant. Ici c'était s'il ne peut pas bouger vers la cage d'arrivée. Donc, si cette condition-là n'est pas vérifiée, c'est parce que donc il peut en réalité bouger vers. C'est pourquoi maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que c'est. Est-ce que ça serait pas mieux d'aller d'abord implémenter notre fonction pour bouger vers et ensuite revenir. Sinon, on va être pris par le temps. Donc, on va aller dans notre fonction pour bouger vers. Voilà cette fonction-là, cette fameuse fonction qui est la fonction sans doute la plus importante ici parce que c'est elle qui gère en quelque sorte le fait de pouvoir positionner son pion n'importe où ou n'importe comment. Voilà, donc dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va recevoir en paramètre? On reçoit en paramètre les coordonnées du pion ou bien les coordonnées de la cage d'arrivée. C'est pourquoi on va mettre ici un corps. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner cage dest. On va créer une variable qui s'appelle cage dest pour dire c'est la cage destination. Et on va dire qu'il est égal à trouver. On va utiliser la fonction trouver. Trouver cage. Et on va dire, bon là, on va donner le nom comme étant dest pour dire destination. C'est plus, en tout cas, lisible. Ça sera plus lisible et plus compréhensif pour vous. Voilà, on va dire trouver cage dest. Maintenant, s'il trouve la cage, cette cage-là, c'est la cage de destination. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? If not cage dest, si la cage de destination n'existe pas. If not cage dest. Si la cage de destination n'existe pas, là, ce n'est même pas la peine de continuer, les gars, on retourne 0. Si la case de destination n'existe pas, c'est parce qu'on ne peut pas poser là-bas un pion. Donc, pour bouger vers, retourne 0. Maintenant, on va aller, on va mettre un else, un grand else. Excusez-moi, je me suis trompé là. Voilà, un else, on met les deux points. Dans ce else-là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester si le cas de destination, il y a un pion là-bas. S'il y a un pion là-bas, les gars, est-ce qu'on peut poser là-bas un autre pion? Bien sûr que non. C'est pourquoi on va mettre un cage dest.pion. Si cage dest.pion existe, donc on va retourner encore. On va retourner 0, n'est-ce pas? Mais la condition n'est pas terminée. Cette condition-là, elle retourne 0, mais aussi il y a d'autres les événements aussi qui retournent 0. C'est pourquoi on va mettre un OR. Si on met OR, on met les parenthèses. Et là, on va commencer à donner les conditions. Donc, je vais ouvrir mon jeu pour vous montrer franchement, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi ces différentes conditions qu'on va donner. Donc, les différentes conditions, c'est quoi? C'est que ce pion-là, si on le clique à l'instant, il ne peut aller ici. Il ne peut aller que ici. Ou bien, voilà, il ne peut aller que ici. Il ne peut pas bouger d'autre part. Lui aussi, il ne peut aller que ici. Il ne peut pas bouger autre part. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si on a un pion, ce pion-là ne peut pouvoir bouger que d'un seul cage ou bien que de deux cages, mais pas de trois cages ou bien de quatre cages, vous voyez. Et aussi, il y a un autre cas.
Je vais d'abord jouer ici. Voilà, il y a un autre cas. C'est ce cas-là, c'est quoi? C'est que par exemple, ce pion-là, c'est que par exemple, ce pion-là, si je vais essayer de trouver un cas un peu similaire pour vous expliquer exactement. Voilà, ce pion-là. S'il y a un pion qui est similaire à lui, qui est en haut de lui, il ne peut pas le doubler. C'est-à-dire que là, c'est impossible. Voilà. C'est pourquoi toutes ces conditions-là, on doit les ajouter dans notre programme. Et c'est ici qu'on va les ajouter. Ça va être un peu long, vous allez voir, mais vous allez comprendre quand même. Vous allez comprendre quand même l'utilité de tout ça. Voilà. Ici, donc, on va utiliser cage dest point. On va utiliser la fonction equal qu'on avait créé avant. Donc, equal, on va mettre les parenthèses ici. Et qu'est-ce qu'on va dire? Self.gauche. Voilà. Donc, ici, c'est self.gauche. C'est la fonction qui nous permet en réalité de déterminer la partie gauche ou bien la cage gauche de cette cage-là. Donc, ça, c'est des fonctions qu'on va créer juste après. Ne vous en faites même pas. Si... si cette condition-là est vérifiée, voilà, cage dest point equal. Si le cage dest est égal à self point gauche, et donc là on va mettre un et donc not. Si le cage dest doit être différent, si il est différent de la partie, c'est-à-dire de la cage gauche de notre cage, ou bien aussi qu'il est différent, je vais copier ça là. Je vais le mettre ici, note différent de self.gauche, de self.gauche à nouveau, c'est-à-dire de la cage gauche, de la cage gauche encore, c'est-à-dire cage gauche de cage gauche. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez les trucs, en fait, c'est pourquoi, donc ici, si je mets self.gauche, je dois aussi mettre à nouveau, voilà, le point, excusez-moi, donc là, c'est le grand... Là, le or là, il est fermé où exactement? Donc ici, le equal, c'est ici. Voilà, donc je vais mettre ici un point gauche à nouveau. Et je vais mettre les parenthèses. Là, je vais fermer. Voilà, donc là, c'est ici. Là, c'est ici. Et donc, je vais essayer de fermer mon or ici. C'est-à-dire la grande condition là. Je vais la fermer ici. Voilà, donc si cette condition-là est vérifiée, c'est-à-dire que si la case de destination n'est pas égale à la partie gauche de la case de départ et qu'elle n'est pas aussi égale à la partie gauche de la case de départ, c'est donc on ne peut pas le faire bouger. C'est pourquoi on peut, par exemple, copier ça là. Donc, autant on peut copier ça. Pour aller un peu plus vite, donc c'est pourquoi on va continuer avec les end là, donc avec les end. Là, cette parenthèse là, on peut l'enlever. Et ensuite, on va venir ici et mettre end. Donc, je vais coller ça. Cette fois-ci, c'est pas à gauche, maintenant on va prendre le côté droite. Ensuite, ici encore, pourquoi ces parenthèses là, voilà. C'est parce qu'ici, il y avait trop de parenthèses. Voilà, on comprend maintenant, c'était ça. Voilà, je crois que c'est ça. Equal. Ici aussi, equal. Voilà. Donc là, on doit fermer. Excusez-moi, on doit fermer ici pour que ça soit bon. C'est bon. On va encore copier tout ça. Non, pas pour le moment. Il faut d'abord modifier tout ça. Mettre droite ici. Droite ici encore. Ensuite, on va aller à la ligne et mettre un end. Copier la même chose. Et cette fois-ci, on va mettre haut. La partie haut. Et là aussi, on va mettre la partie haut. Et là aussi, on va mettre la partie haut. On va venir pour le dernier maintenant. C'est end. Et mettre là-bas, on a la partie bas. Partie bas. Voilà. Ici encore, on va mettre bas. Et là aussi, on va mettre... Bah, voilà, donc si la cage qu'on veut, la cage où on veut aller n'est pas égale à la partie gauche de la cage de départ, ou bien la partie gauche de la partie gauche de la case de départ, et là aussi droite de droite,
là haut de haut ou bien bas de bas, c'est qu'on ne peut pas bouger en réalité. Voilà. Donc, là, c'est la première condition. On va essayer de la fermer ici. Donc, le or là, il est fermé ici. C'est bon. Le or, il est fermé ici. Maintenant, on va utiliser un autre or. Et ce or là, lui, dans son cas, il aura pour objectif. Donc, je vais ouvrir des parenthèses ici. Et ce or là, il aura pour objectif de chercher si le cage destination. Si la cage de destination est égale à self.gauche de gauche. Maintenant, si il est égal à self.gauche de gauche, c'est-à-dire qu'il est égal à la partie gauche de la partie gauche. C'est-à-dire que là, on peut doubler en quelque sorte. Voilà, on va dire est égal à self. Voilà, point equal. Et ici, c'est point equal. Je vais utiliser. Attends, je vais essayer de copier ça là pour aller plus vite. Voilà. Si cache dest point equal self point gauche de gauche, si c'est égal donc à la partie gauche de la partie gauche, là on est d'accord, mais que donc là on va utiliser un end. Qu'est-ce qu'on va tester ici? Not self point gauche. Est-ce que vous avez compris un peu le truc ici? C'est-à-dire que si la cage d'arrivée est égale à la partie gauche de la partie gauche de la cage de départ, mais que au milieu, c'est-à-dire la cage qu'il a doublée n'a pas de pion. Donc là, il ne peut pas bouger. Je vais vous montrer un peu l'exemple. On va jouer ici. Lui, il va jouer. Là aussi, il va jouer. Je vais essayer d'avoir un peu le même cas. Voilà. Ensuite, lui, il va jouer ici. Voilà, donc lui, il va jouer ici. Et celui-là, il va jouer ici. Voilà, maintenant, le cas, il est là. Si il veut doubler, c'est-à-dire... Attends, c'est lui qui doit jouer d'abord. C'est lui qui doit jouer d'abord. Bon, attends, je vais faire ça. Non, ce que je voulais faire, je ne peux pas l'avoir ici. Peut-être, voilà, je peux l'avoir ici. Puisque c'est celui-là. Est-ce qu'il peut, franchement, venir directement vouloir aller ici? Non, c'est impossible. Pourquoi? C'est parce que la cage qu'il veut doubler ici n'a pas de pion. Exactement. Donc, c'est ce qu'on veut tester ici en réalité. Voilà, ici. Si on a doublé, mais que la cage qu'on veut doubler n'a pas de pion, donc notre self.gauche et notre self.gauche, point pion. Donc, attends, je vais utiliser des parenthèses ici, ensuite mettre le point pion. Alors, cette condition-là ne peut pas être vérifiée. Ou encore, l'autre cas, c'est quoi? C'est qu'on a self.gauche, self.gauche, je vais mettre les parenthèses, point pion est égal à self. Self.gauche, pas pion, mais self.gauche, point couleur pion. C'est-à-dire que la couleur de la pion est égale à couleur de la pion de départ. Donc, self. Self point couleur pion. Si cette condition là n'est pas vérifiée, donc on ne pourra pas déplacer. Je vais vous montrer ça aussi. Là, cette condition là, c'est celui-là. Attends, on peut essayer d'avoir le même cas. Donc je vais aller ici peut-être. Non, c'est le jaune qui doit jouer, donc le jaune joue. Le cas qu'on voulait avoir, c'était voilà. Si on a ça, si le jaune joue ici. Est-ce que celui-là, il peut doubler en quelque sorte? Est-ce que celui-là, il peut doubler l'autre? Il ne peut pas le doubler parce qu'ils ont les mêmes couleurs en quelque sorte. Voilà, c'est ça, cette condition-là que je voulais tester ici. Donc, if cage dest, si on a doublé et que celui qu'on veut doubler n'a pas de pion, on ne peut pas bouger. Et aussi, si on a doublé et que celui qu'on veut doubler a la même couleur que nous, on ne peut pas aussi doubler. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis self.gauche.couleur pion est égal à self.couleur pion. Dans ces cas-là, il ne peut pas bouger. Donc le or là, il est fermé ici. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? C'est juste copier ça et faire le même cas pour le droit, le haut et le bas. Vous avez compris le principe, j'espère. Donc là, on va venir ici mettre... on va modifier partout sur ces gauches-là et mettre là-bas des
droite. Et mettre là-bas des droites. Voilà. Ici, c'est droite. On va faire la même chose. On va copier encore. Et là, partout où on a gauche, on va modifier ça par haut. Donc, on aura haut ici. Ensuite, on va revenir pour la même chose. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier partout et on va mettre là-bas bas. Voilà. Je crois que vous avez compris dans l'ensemble le principe de ces différentes conditions-là. Voilà, donc les ors-là sont fermés ici. Le or-là ici, il est fermé ici. Voilà, c'est bon. Maintenant, il faut mettre ici deux points. Si toutes ces conditions-là sont vérifiées, c'est qu'on ne peut pas bouger en réalité. On ne peut pas bouger. Donc, c'est pourquoi on peut mettre ici une indentation et mettre return 0. Donc, la fonction pour bouger vers va retourner 0. Et maintenant, dans le cas échéant, on va sortir carrément du else. Et on va sortir carrément du else et on va venir au niveau de la fonction et on va mettre return 1. Maintenant, si toutes ces conditions-là ne sont pas vérifiées, là, le gars, il peut vraiment bouger. C'est ça, en réalité, le truc sur la fonction pour bouger vers. J'espère en tout cas qu'on ne s'est pas trompé sur la fonction. En tout cas, on va tester pour revenir pour voir si c'est possible ou pas. Maintenant, on va retourner au niveau de la grande question, ou au niveau de la grande fonction. C'était la fonction arrêt. Voilà, on avait dit qu'on va tester d'abord. S'il ne peut pas bouger, on va lui faire retourner au niveau de ses coordonnées de départ. Maintenant, sinon, s'il peut bouger, on va maintenant commencer vraiment à pouvoir le placer là où il veut aller. Voilà, c'est pourquoi donc on va créer notre variable cage dest ici. Et donc on va dire que c'est égal à trouver cage, on va mettre les parenthèses et donner les coordonnées. Voilà. On connaît donc notre cage de destination. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? If notre cage de départ, si le cage de départ est différent, il faut tester que le cage de départ est différent, donc on va utiliser toujours la fonction equal, est différent de la cage dérivée, c'est-à-dire la cage destination. Il faut qu'il soit différent, sinon c'est comme si on n'a pas bougé en fait, c'est comme si on a juste cliqué sur un pion et qu'on ne l'a pas fait bouger. Donc il faut d'abord tester que cette condition-là est bon, si on n'a pas bougé en quelque sorte, le pion. Voilà, c'est pourquoi on va mettre ici un deux points et entrer maintenant. C'est là qu'on va franchement commencer à faire les différentes modifications. On va modifier notre session. C'est parce que le gars, il a joué. Donc, s'il a joué, la session va devenir la couleur des pions qui vient de jouer. C'est pourquoi on va mettre cage départ, point couleur pion. Voilà, c'est ça qui va devenir la session. Les sessions, les gars, c'est-à-dire, j'avais expliqué ça au début, c'est ça qui nous permet en quelque sorte de savoir qui doit jouer et qui doit attendre. Donc, celui qui vient de jouer, on va prendre sa couleur de pion et on va lui donner à session pour qu'on puisse franchement contrôler qui doit jouer et qui ne va pas jouer. Voilà, ensuite, maintenant, on va mettre cage départ, non, cage destination d'abord. Cage destination, puisqu'on a pris un pion et on l'a ajouté dans une autre cage. Donc, cette autre cage-là, elle va franchement avoir quelques modifications. Par exemple, imaginez cette cage-là n'avait pas de pion, mais on a pris un pion et on l'a mis là-bas. Donc, maintenant, on doit mettre un set pion pour dire que maintenant, il a un pion, pour dire que là, c'est un. Voilà, il a un pion. Après avoir fait ça aussi, on doit faire autre chose, c'est quoi? On doit changer sa couleur de pion. C'est pourquoi on va mettre ici cage dest point, voilà, cette couleur pion, et là on va mettre des parenthèses et on va donner la couleur du pion qui vient de s'installer là-bas. Et la couleur du pion qui vient de s'installer là-bas, il ne faut pas s'affoler, c'est la couleur de la cage de départ. C'est pourquoi on va mettre cage de départ point couleur pion. Voilà, j'espère que vous avez compris jusqu'ici. On va essayer de continuer encore. On va essayer de continuer. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer le pion. Voilà. Puisqu'on connaît là où on doit le mettre, on va le mettre là-bas. C'est pourquoi on va utiliser toujours la fonction can.cord. La fonction cord de Tkinter, comme je vous le disais, voilà, celui-là, avec le S. On va mettre les parenthèses et on va dire que le pion qui a été cliqué, maintenant, il est placé
à cache d'est. On va dire cache d'est, voilà, au niveau des coordonnées de la cache du destinataire. Voilà, c'est pourquoi on va mettre cache d'est.get. Cache d'est.get corps de pion. Pourquoi il ne peut pas. Voilà, bien sûr, il l'a ici, get corps de pion, et on va mettre les parenthèses. Et ensuite, on va fermer les parenthèses globales. Voilà. On a déplacé nos pions. Non, c'est-à-dire que là, on a placé le pion maintenant. Il est placé. Maintenant, s'il est placé, on peut faire comme ça. Cache départ. Puisque le cache départ, le pion était là-bas. Maintenant, il n'est plus là-bas. Il est sur la cache de destination. Donc, cache départ aussi aura besoin d'un set pion. Pour dire qu'il n'y a plus de pion là-bas. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, les gars. Voilà, c'est pourquoi on va mettre ici set pion 0. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi mettre un set couleur pion. Puisqu'il n'y a pas de pion là-bas, donc les gars, je crois aussi qu'il faut dire qu'il n'y a pas de couleur de pion. Il n'y a pas de pion, il n'y a pas de couleur de pion. Voilà, c'est pourquoi donc on va mettre ici encore un set couleur pion pour dire que là, la couleur pion maintenant, c'est rien du tout. Voilà, seulement des codes simples comme ça. Et je crois que c'est bon maintenant. Il y a un événement intéressant. Qu'on doit signaler. C'est quel événement? C'est l'événement suppression. Par exemple, on peut voir que c'est celui-là qui devait jouer. Voilà, il a joué. Le gars-là, il est ici, au niveau de sa cage de départ. Il s'est déplacé, il est venu au niveau de la cage d'arrivée. Boum! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette cage-là, c'est-à-dire la cage qui a été doublée, a été supprimée. Voilà. Maintenant, c'est ici qu'on va franchement commencer à gérer ça. Pour le faire, on va mettre cage supprimée. Cage supprimée est égal à 0. On va initialiser la cage qui doit être supprimée à 0. Et maintenant, on va chercher la cage qui doit être supprimée. Comment le trouver, les gars? Pour le trouver, c'est très simple. On sait qu'une cage est supprimée seulement si... une cage est supprimée seulement si la position de départ, c'est-à-dire la cage de départ, est égale... le haut de haut de la cage d'arrivée ou bien le bas de bas de la cage d'arrivée ou bien aussi le gauche de gauche de la cage d'arrivée ou bien le droit de droite de la cage d'arrivée. Par exemple, ici, si on paie le haut de haut de la cage d'arrivée, non, le haut de haut de la cage de départ, voilà, le pion est supprimé. C'est pourquoi ici, on va faire ces conditions-là en quelque sorte. On va faire if cage d'est point equal excusez-moi cache d'est point equal, on va mettre les parenthèses. Si c'est égal au gauche de gauche, par exemple, cache départ, voilà. Gauche de cache départ, je vais mettre ici point gauche, excusez-moi. Je vais mettre les parenthèses. Si c'est égal à ça, je vais mettre deux points. Si la cage de destination est égale à gauche de la cage de départ, on met deux points. Donc, le A supprimé, c'est-à-dire la fonction, la cage à supprimer, elle sera égale. La cage à supprimer, elle sera égale à cage de départ, point. J'espère que vous avez deviné. Si c'est le gauche de gauche, donc la cage à supprimer, ça sera la cage de départ, point gauche, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va copier ça là pour aller un peu plus vite. Et le reste maintenant, c'est juste prendre le haut de haut, le droit de droite, le bas de bas et tout ça. Ici, on va prendre, par exemple, à chaque fois qu'on a gauche, on va le modifier à droite. On va le modifier à droite. Voilà, là, on va dire droite. Ensuite, on va copier la même chose. Donc là, il y a un else quand même. C'est elif, voilà, elif. On va revenir ici. Mettre un elif et ensuite là on va utiliser le haut maintenant. Voilà le haut de haut, voilà c'est bon. Et enfin, celui qui reste, c'est le qui, c'est le bas. Voilà, donc on va venir ici mettre, voilà, bas. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon pour tous ces éléments là. Pour la cage à supprimer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tester. S'il y a une cage à supprimer, on fait que tester, les gars. S'il y a une cage à supprimer, on entre dans la condition maintenant. On essaie de tester. If
cage à supprimer point couleur pion est égal. Donc on va tester. Si cage à supprimer point couleur pion est égal, je vais mettre double code. Excusez-moi. Je vais mettre les codes simples. On va tester si la couleur, c'est-à-dire c'est la couleur du dièse. Si c'est la couleur du dièse 9FEB427. Vous vous rappelez ça, là, c'est la couleur verte. Vous vous rappelez bien, j'espère. C'est 9FE. Voilà, il m'a proposé ça, c'est bon. C'est 9FEB427. Si la couleur, c'est le vert, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? C'est que le score du vert va augmenter. Non, pas le score du vert. Si c'est un vert qui est supprimé, donc là, c'est le score. C'est le score DJ qui va incrémenter en quelque sorte. Sinon, c'est-à-dire que c'est le score du vert qui va s'incrémenter. Donc, plus égal à 1. Oh, excusez-moi. Voilà. J'espère que vous avez compris quand même le principe. Là, on va indenter ça un peu pour aller dans la condition. Voilà. On a ça déjà. Maintenant, si c'est modifié, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre score, c'est-à-dire le label score, point configure pour réafficher les scores en quelque sorte. Et pour réafficher les scores, on va utiliser la méthode de configure pour changer, donc pour changer en quelque sorte le label score. Et on va changer son texte et on va dire que son texte ça, c'est égal, on va mettre V, on va mettre deux points, on va mettre espace. On va mettre donc des accolades ici. On va mettre une accolade ouvrante et une accolade fermante ici. Et donc, on va mettre des espaces, on va mettre VS. Et là, on va donner le jaune. On va mettre deux points aussi. Et la même chose, on va mettre une accolade ouvrante et une accolade fermante. Voilà. Maintenant, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fonction format de Python. Format, j'espère en tout cas que vous connaissez cette fonction là aussi, les gars. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait en quelque sorte? C'est elle renseigne la variable qui devait être là et aussi la variable qui devait être là. Pour le faire, on va juste venir ici et mettre score. Puisque ici c'est le V, donc le premier c'est score V, virgule, et puisque le deuxième c'était le J, on va mettre score J. Voilà, c'est tout simplement ça la reconfiguration de la fenêtre. Voilà, c'est bon. On a reconfiguré la fenêtre. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est de déterminer la fin, les gars. Quand est-ce qu'il y a fin, les gars? Si l'un d'entre eux atteint 12, puisque le score final, c'est 12, parce que le nombre de pions, c'est 12. Donc, si l'un d'entre eux, par exemple, si le score J, par exemple, est égal ou bien est supérieur ou égal à 12, dans ce cas-là, on doit arrêter. Pourquoi on doit arrêter? Voilà, on est égal à 12. Dans ce cas-là, on doit arrêter. C'est pourquoi on va reconfigurer encore la fonction score pour dire que là, franchement, l'un a gagné. Excusez-moi, CTRL-C. Voilà, pour dire que si le score de jeune est supérieur ou égal à 12, c'est parce que c'est le jeune qui a gagné. Donc, c'est pourquoi ici, on va mettre victoire. Par exemple, ici, on va mettre victoire de J, par exemple. Voilà, victoire de J. Et ensuite, on va mettre, par exemple, ici, deux points et donner le nombre de points qu'il a obtenu. Et pour cela, on va mettre score J. Maintenant, elif. Dans l'autre cas, maintenant, si score V, voilà, score V, si c'est pas le 12, si c'est pas le J qui a obtenu les 12 en premier, et que c'est le V qui a obtenu les 12 en premier, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici supérieur ou égal à 12. On va mettre deux points, aller à la ligne, et là, excusez-moi, je vais copier ça là pour aller plus vite. Et le mettre ici. Donc, on va reconfigurer les scores avec la victoire qui sera maintenant sur le victoire V
et le nombre de points. On va afficher le nombre de points de victoire de J. Voilà, de victoire de V, excusez-moi. J'espère que c'est bon pour les scores et tout. Maintenant, on va passer à la suppression. Pour passer à la suppression, c'est trop simple. On va venir mettre une variable C qu'on va appeler cage. Cage à supprimer. C'est-à-dire que là, on va récupérer les coordonnées de la cage à supprimer. Donc, on va mettre ici point getCord pion. Pas getCord pion. Voilà, c'est getCord pion. On va mettre les parenthèses. Si on connaît les coordonnées du pion à supprimer, maintenant on va créer une variable qui s'appelle pion supprimé. Pion supprimé. Et donc qui sera égal à can.findOverlapping. Vous connaissez toujours cette variable-là, les gars. C'est celle qui nous permet de trouver un élément aux coordonnées qui est donné en paramètre. Voilà, on va utiliser le CD0. Excusez-moi, C de 0, virgule, on va utiliser le C de 1, virgule, C de 2, C de 2, voilà, C de 2, et enfin le C de 3, C de 3. Voilà, il essaie de trouver, en quelque sorte, un élément dans les coordonnées, puisque c'était les coordonnées des cages à supprimer. Donc, dans les coordonnées des cages à supprimer. Voilà. S'il trouve l'élément maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre can.delete. Voilà, on va utiliser la fonction delete pour supprimer cet élément-là. Et donc, on va mettre les parenthèses et on va donner l'élément. L'élément, c'est le pion à supprimer. Pion à supprimer, mais je vous avais dit tout à l'heure que les fins d'overlapping, ça renvoie toujours des éléments. Ça renvoie la cage et le pion à supprimer. Mais nous, on sait que le pion, il est toujours à l'indice 1, c'est-à-dire que c'est le deuxième élément. C'est pourquoi ici, on va dire cage, pion à supprimer 1. Voilà, pion à supprimer 1, pour dire que c'est le deuxième élément qu'il faut supprimer. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la cage a été supprimée, les gars, on va dire que la cage, point, cet pion, il n'aura plus de pion, donc on va dire cet pion, on va mettre les parenthèses et on va donner 0. Voilà, il a été supprimé, donc le cet pion va donner 0. Et aussi, s'il a été supprimé, les gars, on doit aussi mettre le cet pion, c'est-à-dire ici, on va mettre, cage, supprimé. On va mettre aussi le point cet couleur pion, pour dire que la couleur du pion, maintenant, ça n'existe plus. Puisqu'il n'a pas de pion maintenant, les gars. Puisqu'il n'a pas de pion, on va dire que sa couleur de pion, c'est rien du tout. Voilà. C'est ça. Je crois qu'on est au terme de notre fonction. La fameuse fonction array, qui est la cercle la plus grande. Si on a ça, il y a quelque chose qu'il faut ajouter quand même. Il faut le voir. C'est que là, au niveau de nos variables de départ, au niveau de l'initialisation de nos variables, on doit déclarer les variables, on doit initialiser les variables score J et score V. On doit les initialiser à 0. Voilà, on va dire c'est égal à 0. Excusez-moi, 0, virgule, 0. Une fois qu'on les a initialisés, qu'est-ce qui reste maintenant? On avait initialisé la variable session. Voilà. Ce qui reste, c'est de revenir au niveau de notre classe cage et de voir que dans la classe cage, on a utilisé pas mal de gauche, droite, haut, bas. Et ces gauche, droite et haut, bas-là, on ne les avait pas encore implémentés. Voilà, c'est pourquoi il faut venir ici créer des fonctions qui permettent, voilà, créer les fonctions qui permettent de déterminer les hauts et les bas et autres. Voilà. Donc, on va mettre ici. Deux points, par exemple, ici c'est la fonction qui détermine le gauche. On va mettre deux points, aller à la ligne et qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer le gauche? On sait que le gauche d'un élément dans notre damier, c'est les coordonnées de cet même élément, c'est les coordonnées de cet même élément moins 40, ce qui fait que c'est trop simple. On va juste venir ici mettre for cage in, for cage in tous les cages. Qu'est-ce qu'on va faire? If K
cage point x1 if cage point if cage point x1 est égal à cage point x1, je vais mettre ici x1 moins 40. Donc là je vais utiliser le moins 40. Oh, excusez-moi. Et maintenant, je vais copier ça là pour aller un peu plus vite. Je vais copier ça. Voilà. Donc là, c'est in, les gars. Excusez-moi. Et là aussi, c'est cage. Voilà. Donc si la cage de x1 moins cage de x1 est égal à cage de x1 moins 40 et que cage de xd, là je vais mettre xd, est égal à cage de xd moins 40 aussi, et que maintenant le cage de y1 lui-même il peut rester la même chose, cage de y1 est égal à cage de y. Hop. Oh, c'est bête là les gars, c'est pas des cages mais c'est des self quand même. Voilà, ton cage point x est égal à self point, ici c'est self point y1. Voilà, donc tout ça là c'est des self, c'est à dire les parties droites là c'est des self, pas des cages. C'est à dire qu'on veut tester si la cage qui est dans cette liste là, si son élément est égal à l'élément de la de self, c'est à dire de notre classe elle-même, moins 40. Voilà, c'est ce qu'on veut tester en quelque sorte. Self.x1 moins 40. Voilà, ici c'est self.x2 moins 40 et là c'est self.y1. Là c'est bon. Si c'est bon, on va retourner quoi? On va mettre un return. On va retourner l'élément neutre. Élément neutre. C'est quoi l'élément neutre? C'est une cage qui est neutre. On va la créer tout de suite même pour ne pas oublier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ça. Aller au niveau de l'initialisation de nos variables ici et créer cette cage neutre là. Pas cage neutre, pas élément neutre, mais on va dire cage neutre pour que ça soit beaucoup plus lisible quand même. Voilà, cage neutre est égal. Et pour cette cage neutre là, comment on va la créer? On va juste donc dire que c'est une cage en utilisant la classe cage, mettre les parenthèses, donner les coordonnées comme étant x1, 0, y1, 0, excusez-moi, y1, 0, xd, 0, yd, 0. Et ensuite, pour la couleur des pions et la couleur des cages, on va dire que c'est rien du tout, rien du tout. Puisqu'on a dit que c'est neutre. Ce qui est neutre, c'est neutre, donc il n'y a rien, rien. À chaque fois, c'est rien, rien. Et pour le pion aussi, on va dire qu'il n'y a pas de pion. Là, il y a un virgule ici. Voilà. C'est ça, notre cage neutre. On va retourner donc là où on était tout à l'heure. Donc là, je vais... voilà, on va retourner là où on était tout à l'heure sur notre l'implémentation de notre gauche. On va dire ici qu'il va retourner la cage neutre. Non, il ne va pas retourner la cage neutre. Oups, excusez-moi. Il va retourner la cage qu'il a trouvée ici. Il va retourner la cage qu'il a trouvée ici. Maintenant, s'il ne trouve pas de cage, c'est là que ça va être ici, donc à l'extérieur. C'est là qu'il va retourner. C'est là qu'il va retourner la cage neutre. D'accord, j'espère que vous avez compris dans l'ensemble. On va mettre un CTRL-C ici pour aller maintenant créer notre droite. Voilà. Allez créer ici notre droite. Maintenant, pour le droite, c'est l'inverse du gauche. Donc ici, ça va être des plus. Et là aussi, ça va être un plus. Voilà. Pour... le gauche, bon, excusez-moi, là, on peut mettre ça. On va revenir encore coller la même chose. Je vais venir ici et là, je vais faire ça. Voilà, for cage in tous les cages. Donc ici, pour maintenant, on va ici faire le haut. Ah, bon, là, je vais mettre des entrées pour un peu séparer le code pour que ça soit un peu plus lisible quand même. Voilà, def ho self point for cage in tous les cages. Maintenant, pour le ho, les gars, maintenant, ce n'est plus le x qui va bouger, mais c'est le y qui doit bouger. Parce que c'est la partie, en quelque sorte, verticale. C'est pourquoi ici, pour le ho, on va dire y1. Y1, voilà. Excusez-moi.
Et là, self.y2, moins 40, moins 40. Voilà. Et pour les x1 maintenant, ça va rester le même. C'est pourquoi on va mettre ici x1. Et là aussi, on va mettre x1. Voilà. Alors, on va copier celui-là. On va mettre entrée. On va venir ici et on va le coller ici. Et pour le bas, pour celui-là, ça va être le bas. Et pour le bas, la différence, ça va juste être ici un plus ici et un plus là-bas. Voilà, j'espère que c'est bon si on ne s'est pas trompé sur les bas, les hauts et autres. J'espère en tout cas que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Paraît qu'on a terminé notre jeu, je crois bien. Si on regarde, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose au niveau des variables d'initialisation, par exemple? Est-ce qu'on a initialisé toutes les variables qui sont utilisées? Là, je crois que oui aussi. Les sessions, les scores et tout, tout est initialisé. Bon, ce qu'on va faire, c'est essayer de d'enregistrer et de voir. Donc là, je vais fermer ici. Je vais venir ici mettre un CLS pour effacer tout et de rappeler notre fonction. Et là, les erreurs commencent. Ligne 38. Ligne 38, donc. Voilà, ligne 38, c'est où? C'est où? C'est toujours notre problème ici. À chaque fois qu'il y a if, moi, je ne mets pas égal, égal. Je mets toujours égal. Je suis toujours bête comme ça, les gars. Donc là, on va modifier égal, 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 égal. Égal, 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 égal. Égal, égal. Et pour le dernier aussi, c'est égal, 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 égal. Voilà, on va enregistrer et y retourner à nouveau. Bon, il y a toujours un problème au niveau de la ligne 38. C'est parce qu'après les if, là, on doit mettre deux points. Après les if, c'est toujours deux points, les gars. On va enregistrer et retourner à nouveau. Voilà, donc c'est pour le def bas. Pour le def bas, il y a une erreur. Def bas self. Pourquoi il y a une erreur? Est-ce que c'est pas une erreur d'indentation? Voilà, ça, c'est des erreurs d'indentation au niveau de mon éditeur. Donc, je vais juste aller sur Views et aller sur Indentation, Convert, tout à enregistrer et retourner. Voilà, donc ici, il y a un problème à la ligne 62. Il dit que voilà, c'est invalide. C'est parce qu'à chaque fois que je mets un if, je ne mets pas les deux points. Je suis bête, les gars. Voilà, ici, il y a deux points. Là, il n'y avait pas. Voilà, c'est bon. On va enregistrer et retourner à nouveau. Là, il y a des end à la ligne 68. Il y a aussi un problème. Ligne 68. Il faut savoir lire les erreurs, les gars, et pouvoir, en quelque sorte, les corriger rapidement. Voilà. Ici, par exemple, j'ai mis deux end, alors que c'est seulement un seul end. Voilà, je crois que c'est bon. On va y retourner. Et il y a toujours un problème. Et là, c'est à la ligne 71. La ligne 71, voilà, là c'est des égales égales et pas seulement un seul égal. Vous voyez les gars, c'est l'inconvénient aussi de copier-coller, on peut dire. Là on va retourner. Il y a toujours des problèmes d'indentation et là c'est les return cache, c'est à la ligne 116. Ligne 116. Voilà, c'est ici. Bon. C'est pour la fonction trouver cache. Bon, je vais mettre views indentation convert tout up. Voilà, je vais enregistrer et y retourner. Il dit qu'il y a toujours un problème à la ligne 116. Il y a un problème au niveau de l'indentation. Je sais pas moi, peut-être que là je vais faire ça et retourner ici, mettre les returns comme ça pour voir. Je sais pas moi. Je vais enregistrer. Je vais y retourner. Il y a toujours un problème. Il ne veut pas indenter quoi. Bon, pour le if, je vais mettre ça. Attendez, pour le for, je vais mettre ça. Pour le if, je vais mettre ça. Et pour les returns, je vais mettre ça. Là, je vais mettre comme ça. Pour voir.
Voilà, on a passé. Maintenant, il est à la ligne 115 aussi. Wow, toujours des problèmes d'indentation. Moi, je comprends même pas. Ligne 115. Ligne 115. Attendez, je vais refaire la même chose ici. Bon, c'est ça l'inconvénient des. On peut dire. C'est ça l'inconvénient de l'éditeur de texte Sublime Text. Voilà, à chaque fois, c'est ça qu'il me donne là, en pleine vidéo. Bon, je vais vers Convert to Tab. Je vais enregistrer à nouveau, y retourner. Et voilà, pour le moment, il nous a laissé. Commencer. Voilà, il y a notre score qui est là. On va essayer de jouer pour voir. Boom. Find overlapping is not defined. Find overlapping is not defined. C'est à la ligne 146. C'est-à-dire qu'il y a un problème à la ligne 146. Collision. Voilà, ici, c'est pas find overlapping, tout simplement, c'est can. Point, find overlapping. On va y retourner. On va faire commencer. On va jouer ici. Wow. Il a retourné et il a donné un pion plus grand que ce qu'on l'avait demandé. Oh, ça quand même, c'est grave. C'est au niveau de notre fonction array. Donc ici, c'est ici. Donc c'est, on avait mis que s'il ne peut pas partir, il doit revenir, can.corde, puis on clique, corde de départ.get, corde de cage. Mais attendez, si on va sur le corde de cage, si on va sur le corde de cage, qu'est-ce qu'on avait dit pour le get corde de cage? C'était où? Voilà, get corde de cage. On avait dit que c'était self.x1, self.y2, self.x2, self.y2. Alors, c'est quoi le problème avec lui? Get corps de cage. Pourtant, il a bien récupéré ces coordonnées-là. Bon. Alors que là, lui, il n'a pas pu aller. Il devait revenir, mais au lieu de revenir, il est cage départ point get corps de cage. Au lieu de revenir. Il est revenu avec des coordonnées plus grandes pour le pion. Ce qui est quand même un peu. Ce qui est quand même un peu grave. Can.cord. Pion cliqué. Ah ouais, je crois qu'ici c'est. Ça doit être. Corde de pion quand même. Voilà. Parce que c'est un pion qui est cliqué. Donc on doit revenir au niveau des coordonnées des pions, mais pas de la cage. Voilà. C'est ça notre problème ici, les gars. On va y retourner. On va cliquer sur commencer. On va aller ici. Si on va ici, il retourne. Pourquoi il retourne? Pourtant, il a bel et bien la possibilité d'aller ici, mais il a refusé. Pourquoi il refuse? Donc, c'est notre fonction. C'est notre fonction pour vous et vers qui est donc la principale raison à tout ça. On va retourner pour voir si on n'a pas fait des bêtises là-bas. Bon, ici. Si. Cage dest.pion. Si cage dest.pion, c'est-à-dire que le cage destinataire a un pion. Ou notre or, c'est ici. Note cage dest.equal self.gauche. Et note cage dest.equal self.gauche.gauche. Voilà, là, je crois que c'était bon quand même. C'est à partir de ces deuxièmes conditions-là que ça peut causer quelques problèmes peut-être. À partir de ces deux conditions-là, qu'est-ce qu'on a dit? Et on a dit que self. Non, case dest.equal. Case dest.equal self.gauche.gauche. Et note self.gauche.pion. Voilà. Or, self.gauche.couleurpion est égal à self.couleurpion. C'était ça la condition. C'était ça la condition ici. Mais bon, si la condition. Voilà, je crois que c'est ici notre problème en fait. C'est que là, le end là en fait, le end là, il doit être. Voilà, il doit y avoir ses propres parenthèses ici. Parce que le end là et le or, c'est un peu différent. C'est-à-dire que cette condition là et ce qui est ici. Ça doit être un end. Le end là, ça doit séparer les deux en fait.
Voilà, ça doit séparer les dés. C'est valable pour tous ces, pour tout cela. Voilà. Ici, on va mettre un parenthèse ici et on va mettre une autre parenthèse fermante ici. Parenthèse ici. Voilà, et parenthèse fermante là-bas. Parenthèse fermante ici. Parenthèse. Et parenthèse ici. Je crois que c'était ça notre problème quand même. On va enregistrer, on va essayer de retourner à nouveau pour voir. On va ici. Oh, il ne veut toujours pas. Il ne veut toujours pas se poser comme ça. Alors, c'est quoi ton problème, mon gars? Bon, on va retourner encore pour revoir un peu. Je crois que notre problème là, c'est au niveau de nos variables là. Gauche, droite, haut et bas. On va un peu les revoir. Là, c'est x1, x1. Si c'est gauche, c'est-à-dire c'est la partie horizontale, x1, x1, x2, x2. Là, c'est bon. Partie latérale toujours parce que c'est droite, x1, x1, x2, x2. Là aussi, c'est bon. Mais pour la hauteur, c'est-à-dire pour le haut, c'est y1, y1, alors que nous, on a mis x1, x1. Là, quand même, c'est un peu bête. Voilà, c'est y au lieu de x. Là aussi, c'est y. Parce que c'est la partie verticale qu'on essaie de tester. Voilà, là aussi c'est Y. Excusez-moi les gars, c'est des erreurs bêtes en tout cas que je suis en train de faire là. Là aussi c'est Y. Voilà. Et enfin pour les autres, on peut laisser X1, X1. Je crois que c'est bon, on va essayer d'enregistrer et de retourner sur le truc pour voir. Là on va aller ici. Bon, il dit que KSD is not defined à la ligne 61. Ligne 61, KSD is not defined. C'était où encore? Voilà, c'est ici. Peut bouger vers. Voilà, parce que on doit d'abord donner la cage de destination. Parce que si on doit dire KSD est égal à trouver cage et mettre les parenthèses, donner le dest. Voilà, c'était ça. On va enregistrer et y retourner à nouveau. On va poser et voilà, c'est posé. Int object has no attribute dump, c'est pas grave. Donc, on va résumer ici. Boum, ça marche. Voilà. Il l'a supprimé et lui, quand il part, oup, on lui dit que non, tu peux pas partir. Et pourquoi il ne peut pas partir? Ça, quand même, c'est toujours... Voilà, il dit que cage is not defined. Cage is not defined à la ligne 187. On va aller revoir ça aussi. Les gars, il y a pas mal d'erreurs quand même sur notre jeu. C'était quelle page hein? C'était quelle page? C'est la page 187. Il dit que cage n'est pas défini. Voilà. Ici, c'est cage supprimé. Oups, excusez-moi, les gars. J'ai fait trop d'erreurs sur ce jeu-là. On va y retourner pour voir. Voilà. Ici, ça marche. On joue. Ça marche. Voilà. Là, c'est bon quand même. On va voir. C'est le jeune qui venait de jouer tout à l'heure. Il ne peut plus jouer. Il faut que le vert joue d'abord. Voilà. Si le vert joue, lui, il pourra jouer. Voilà. Et lui, il pourra manger ici. Et on voit que pour les escorts, quand même, ça marche. Toujours. Par exemple, le vert, s'il vient ici. Non, le vert. Pourquoi le vert ne peut pas partir ici? Oup, oup, oup. Il y a toujours quand même quelques erreurs. Toujours quand même quelques erreurs, les gars. Pourquoi lui ne peut pas venir ici? Pourquoi il ne peut pas se poser de l'autre côté? On va un peu revoir nos erreurs. Les gars, pour la fonction des erreurs, donc je vais essayer, puisque c'est une fonction qui est très lourde, je vais essayer de copier le else là ici, par exemple. Voilà. Pour l'amener ici. Parce que certainement, il y a quelque part où on a fait, en tout cas, quelques erreurs, je crois bien. On va le mettre ici. Voilà, donc c'est ça qui détient en tout cas la fonction des erreurs. On va mettre un return 0 ici. Et on va, attends, ici on va indenter ça un peu. Voilà, et le return 0, c'est quand cette condition-là, elle est vérifiée en fait. C'est quand cette condition-là, elle est vérifiée, oui. Voilà, je crois que c'est bon. On va y retourner pour voir. C'est bon. On va jouer ici. Lui, il joue ici. Voilà, c'est bon. Lui, il joue de l'autre côté. Voilà, vous voyez que c'était sur notre fonction de pour bouger vers là. C'est cette fonction-là qui était un peu... n'était pas complet où il y avait des erreurs quelque part. De toute façon, le code sera mis sur
mon site internet, donc vous pouvez aller les voir directement. Voilà, donc les gars, j'espère en tout cas que la vidéo quand même vous a un peu aidé. Et ça a été un peu long quand même. Et on a fait pas mal d'erreurs, les gars, parce que la vidéo est très longue. Mais quand même, j'espère que vous avez compris l'essentiel de la vidéo, les gars. L'essentiel de la vidéo, c'est de pouvoir créer une cage, donc une classe cage, et de pouvoir gérer les pions, de pouvoir gérer est-ce qu'un pion peut être positionné à telle partie ou bien à telle autre partie, et tout cela. Donc, je crois qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Le code intégral, je vais mettre le lien allant directement vers mon site internet et vous allez pouvoir donc avoir le code pour tester ça directement sur vos machines et tout. Voilà les gars, donc j'espère qu'on va se quitter ici. On va se dire à très bientôt pour d'autres tutoriels aussi qui seront de ce genre. Donc abonnez-vous au max et les gars, merci beaucoup.